20h-23h, tous les dimanches, avec Snir. Olé, bonsoir à tous, nous sommes dimanche, il est 20h et comme tous les dimanches, nous sommes en live. Comment ils vont? Le petit café est présent bien entendu dans la tasse qu'il fallait bien sûr sortir pour un live Hogwarts Legacy. Bien entendu, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, qui ne la connaissent pas, il s'agit de la tasse de la seule et unique maison qui vaille le coup d'être choisie. Serpentard, voilà, ça y est, dès le début du live, on affiche les trucs, c'est bon, c'est parti. Aïe, non, oui. Effectivement, Serpentard, mais on est tous d'accord apparemment, puisque la grande majorité des gens ont choisi Serpentard. Contre toute attente, je pensais que Gryffondor allait éclater dans les sondages, genre 15% de Gryffondor. Eh ben non, Serpentard est devant. Second, Gryffondor. Et est-ce que j'ai encore ma petite fiche, ou je l'ai déjà supprimée? Juste derrière, je crois que c'est Poufsouffle. Bref. Aujourd'hui, de toute façon, ça sera pas à moi de choisir. Puisque les amis, vous l'avez vu dans le titre, nous allons recommencer le jeu. Avant, on va expliquer tout plein de choses. J'ai l'impression qu'il s'est passé 800 jours. D'habitude, entre deux semaines, ça va très vite. Là, j'ai l'impression que j'ai fait 1000 trucs, qu'il y a eu 2 mois qui viennent de passer. Tellement il s'est passé de choses. Mais il y a une question qui vous taraude tous, dont je n'avais pas pu vous parler la semaine dernière. Snir! Non, je vais pas la débrancher encore. Comment ça se fait que sur tes vidéos, on voit des touches et des succès Xbox? Oui, j'ai une Xbox. Et oui, j'ai fait Hogwarts Legacy sur Xbox. Mais pourquoi? Eh bien, vous aurez les réponses dans ce live, restez là jusqu'à la fin. Mais avant, continuons pour le programme de ce soir. Merci Donovan, on va attendre ta notif. Ce soir, on va recommencer entièrement le jeu. Merci Donovan, membre de la team qui a fait depuis 4 mois. Merci de ton soutien. Nous allons tout recommencer sur PlayStation 5 ce soir, voilà. Donc, pour les spoils, pour ceux que ça inquiète, et on vous comprend, on va voir le début du jeu. Donc, je sais qu'il y en a qui sont sensibles avec des spoils, tout ça, etc. Si le début du jeu pour vous c'est du spoil, ça va être compliqué, hein, effectivement. Mais on va voir le début du jeu. C'est pas dit qu'à la fin du live, on reprenne pas ma partie un peu avancée, parce que j'aimerais qu'on s'amuse un peu dans la salle sur demande pour essayer de me faire une salle sur demande jolie. J'ai fait que de la productivité sur ma salle sur demande et j'ai pas encore essayé de faire des trucs jolis. Donc peut-être qu'on partira sur ma grosse sauvegarde sur Xbox pour s'amuser à faire des salons et des trucs jolis. On verra peut-être à la fin du live, ça dépend de ce qui se passe et de ce que l'on fait ce soir. Du coup, speedrun, etc. Est-ce que je vais recommencer le jeu sur PlayStation? Bonne question. On va pas le speedrun. On va jouer normalement. Par contre, après, peut-être que je vais finir par avancer sur PlayStation. J'arrive. Grosse question également que vous me posez. Quelle maison vas-tu choisir, Snir? Alors, comme ça, bien sûr, j'aurais envie de dire Serpentard. Mais non, ça sera à vous de choisir. Je vais faire un sondage en temps voulu, quand ce sera le moment, dans le chat. Et ce sera à vous de choisir. On y revient. J'aimerais que ce soit une maison que personne n'a vraiment trop vue. Tout le monde a choisi Serpentard, tout le monde a choisi Gryffondor. Et on vous comprend. Mais n'avez-vous pas envie de voir les autres? Eh bien, ce sera à vous de décider. Voilà, voilà. On peut faire plusieurs personnages pour faire les 4 maisons. Oui, tu peux faire 4 emplacements de personnages différents. Le plus logique étant de faire les 4 maisons. Si tu as envie de faire 4 Gryffondor, tu peux aussi. Ça n'a aucun intérêt. Merci à Beth qui est maintenant depuis 13 mois dans la Team Café. Bonsoir et merci de ton soutien. Comment déverrouiller les serrures au niveau 1? Il faut que tu ailles voir mes vidéos astuces, Patrice. J'ai fait des vidéos astuces, c'est marqué astuces en gros. Tu trouveras ça très facilement. Dans ces vidéos astuces, je t'explique tout ce qu'il faut savoir, les erreurs à ne pas faire et comment on déverrouille les serrures de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 surtout. Il faut débloquer un sort dans une quête secondaire, il faut ramasser des trucs. Let's go, vidéo astuces, c'est primordial. Il y a plein de choses que le jeu n'explique pas et que je vous ai expliqué dans mes vidéos astuces. C'est le réflexe. Il te reste que les 4 maisons pour le platine ou c'est juste pour le live? Alors du coup, je n'ai aucun trophée sur PlayStation. Si, j'ai 4 trophées. Parce qu'encore une fois, j'ai fait le jeu sur Xbox, moi. Maintenant, du coup, effectivement, okay, on va venir. Il y a plein de choses à dire. Wow, merci Fulcami qui fait péter le café. Marcus qui va essayer de récupérer tout ça. Merci pour ton énorme soutien. Merci beaucoup et boum. Merci infiniment. T'as pas mis de message, mais merci à toi. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi est-ce que j'ai fait le jeu sur Xbox? Est-ce que je vais le recommencer sur PlayStation? Avant, je lis un message, parce que j'ai essayé de lire les messages en même temps, ça va être tendu ce soir. Mais on y va, à fond la caisse, j'ai pas dormi depuis une semaine.
On n'en peut plus, mais on continue, c'est pas terminé. Justement, quand c'est que sortent les vidéos 100% pour les petits villages, etc., la vidéo 100% de Préolar est déjà sortie, il y a 3 jours, t'es en retard. La vidéo 100% de Poudlard, du château, arrive demain, si j'ai le temps de finir le montage, parce que ça va être une vidéo d'une heure et demie, encore une fois. Mais normalement, demain, fin de journée, j'aurai passé ma nuit dessus, 100% de Poudlard. Attention, des trucs buggés à Poudlard. 2. Je vous en parlerai dans la vidéo 100% de demain. On va espérer que ce soit corrigé, que ça se passe bien. Et je fais une autre vidéo 100% pour les régions campagne. Je vais faire tout dans une seule vidéo parce qu'au final, ça passe nickel. Voilà. Donc, mercredi, toutes les vidéos 100% sont sorties. Pour ceux qui veulent récupérer les collections. On va en parler, c'est le plus long pour les trophées. Il y aura aussi d'autres vidéos astuces, bien sûr, au fur et à mesure. Il y aura sans doute 2-3 autres vidéos 100% sur des collections un peu plus précises. Par exemple, pour les balais. Les balais ne se récupèrent pas dans l'open world. Donc, je vais vous montrer l'emplacement de tous les balais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les ennemis, tous les ennemis. Pareil, pour compléter la collection, il faut tous les ennemis. Je vous ferai sans doute une vidéo de l'emplacement de tous les ennemis. Pareil, les notes à fond la caisse. Il y a des feuilles de partout. Je croule sous les feuilles. Mais on s'y retrouve. Voilà, tous les cairns également, il y a un trophée qui demande de trouver tous les cairns. Tout sera fait fin de semaine, vendredi, samedi, c'est ok pour le 100% et toutes les vidéos. Voilà, du coup, maintenant, pourquoi SNIR tu es sur Xbox? Eh bien parce que, de base, alors, c'est compliqué. De base, bien sûr, vous l'avez compris, je cherche à faire les jeux le plus possible, pour avancer le plus tôt possible, pour faire le guide le plus tôt possible. Bon, il s'avère que je n'étais absolument pas certain de recevoir le jeu de Warner parce que Warner France a eu un petit peu des problèmes d'organisation et ils ont tardé énormément à répondre, à envoyer des trucs, etc. On a été que 5 gros youtubeurs, pas sites français, youtubeurs à être vraiment mis en avant par Warner, c'est pas beaucoup. Et du coup, jusqu'au dernier moment, j'étais pas certain de recevoir le jeu. Donc j'ai entamé un plan ultime de recherche de trouver le Hogwarts Legacy le plus tôt possible. Et il s'avère que j'ai réussi à trouver Hogwarts Legacy grâce à quelqu'un sur Instagram qui m'a envoyé un message au bon moment. Merci. Sur Xbox. Très bien. Cependant, j'ai pas d'Xbox. Donc je pouvais avoir Hogwarts Legacy, tu vois, minute près, tac, hop, tu peux l'avoir sur Xbox ici. Et j'ai pas d'Xbox, je veux faire Hogwarts Legacy vite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une Xbox. Voilà, pour commencer Hogwarts Legacy plus tôt. Et j'ai bien fait parce que j'ai gagné environ un jour et demi sur Hogwarts Legacy. Et ça m'a permis de tout faire pile poil, nickel. Ce qui n'aurait pas pu être le cas si j'avais eu, donc comme prévu, le jeu par Warner. Qui a fini par m'envoyer le jeu le samedi matin. Pour une sortie des tests, etc. Le lundi midi. C'est court, c'est très court, c'est très 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 court. Un week-end pour faire un jeu comme Hogwarts Legacy, pour faire le guide, pour faire... merci Bédi beaucoup pour ton soutien, merci infiniment. C'est très faible, un week-end pour faire Hogwarts Legacy, pour faire un test, etc. Un test complet comme j'aime les faire, c'est-à-dire vraiment faire le jeu à 100%. Donc je suis bien content d'avoir pu avoir le jeu depuis le jeudi pour l'avoir éclaté comme il faut. Voilà, mais du coup, j'ai le jeu sur PlayStation 5 maintenant, merci Warner qui me l'a envoyé, je l'avais eu avant sur Xbox. Donc j'ai commencé sur Xbox, j'ai eu 20 heures de jeu sur Xbox. Je n'allais pas mettre les 20 heures de jeu à la poubelle, donc j'ai continué le jeu sur Xbox. Voilà. Mais j'ai quand même lancé le jeu sur PlayStation 5 pour voir la différence, parce qu'effectivement, je vais la débrancher, il y a 3 câbles. On va commencer le jeu, rassurez-vous, mais il y a tellement de choses à dire qu'au moins ceux qui poseront les questions, ils pourront voir la rediff et ils auront toutes les réponses. Cette belle petite console, toute petite, c'est dingue, quand t'as la PS5 et que tu vois le petit truc là à côté, là, tu dis que tu pourrais caler des trucs, tu pourrais y mettre dans une bibliothèque, c'est incroyable d'avoir une console petite. Mais du coup, série S, ouais. Série S, pourquoi? Parce que c'était la seule Xbox disponible, il n'y a pas de série X, comme il n'y a pas de PS5, il n'y a pas de série X. Donc l'urgence a été de trouver une Xbox série S. Merci encore une fois au magasin Video Gamers à Ambérieu, qui est d'une réactivité absolument légendaire. Ceux qui sont de l'un, allez à Ambérieu. Et du coup Xbox, voilà. Donc Xbox série S, jeu moins performant, malheureusement. Ce qui m'a inquiété un petit peu, effectivement, c'est pour ça que dans mon test, j'en parle beaucoup, de cet aspect technique, des fois un peu mal équilibré, et c'est pour ça que j'ai absolument voulu voir sur PlayStation 5 quand même, pour voir si ça allait mieux. Ça va mieux sur PlayStation 5. Bon, il y a quelques petits déséquilibres quand même encore en termes de technique, mais c'est quand même mieux.
Et c'est pour ça, encore une fois, comme je le disais dans mon test, mais il y en a peut-être qui ne l'ont pas regardé parce qu'ils ne voulaient pas être spoilés, je suis particulièrement inquiet, hein, pas doute, inquiet, pour les versions old-gen. Si vous comptez faire le jeu sur PlayStation 4, sur Xbox One, je sais pas si c'est une vraie bonne idée. Tu joues quand tu saoules là. Tu dois pas suivre la chaîne beaucoup, c'est parce qu'il y a énormément de questions auxquelles il faut qu'on réponde avant pour ceux qui suivent régulièrement. Donc n'hésite pas à suivre un peu plus, et ces questions t'auraient intéressé également. Donc voilà, les anciennes consoles old-gen, faudra voir le travail qu'ils arrivent à faire, s'ils arrivent à vraiment que ça tienne la route. Mais j'ai une petite inquiétude. Du coup, pour faire plaisir à Who's the Sims 4, déjà tu joues aux Sims, donc chut, hein, tranquille. Nous allons commencer le jeu. Nous allons commencer la partie. Encore une fois donc, ça va être à vous de choisir la maison, etc. J'ai déjà un personnage Serpentard parce que... Ben oui, tout à fait. Parce que pour ma première partie PlayStation 5, j'ai bien sûr pris Serpentard. Mais ça pourra être totalement autre chose. Tac, attends de l'avoir sur Switch, Nier. Alors sur Switch, le jeu tournera très probablement en serveur cloud. Donc ce sera probablement terrible, mais plus joli sur Switch que sur PlayStation 4. Parce qu'en PlayStation 4, ça tournera en local. Je peux me tromper, hein, mais je vois pas comment le jeu pourrait tourner sur Nintendo Switch s'il tourne pas en cloud. C'est pas, à mon avis, c'est pas normal. Toujours pas de gros patch Day One pour moi. Non, le patch de 55Go, je l'ai pas vu passer non plus, mais écoute, voilà. Bon, bah nous voilà, petite lettre de Poudlard, commencer l'année scolaire le 1er septembre. Bah comme en vrai, en fait, hein. Moi, je suis allé acheter mes petits stylos et tout ça. C'est parti, let's go. Alors, le personnage, je vais créer une fille. J'ai toujours créé des gars depuis le début. On va pas trop se prendre la tête sur la création de personnages, hein. On va prendre un modèle un peu préfet, tranquille. Et puis voilà, ça ira très très bien. Le but étant surtout de redécouvrir le jeu en lui-même. Par contre, il faut lui trouver un nom sympa. Si vous avez un nom, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci Artrek, 24 mois Artrek, c'est magnifique. Merci beaucoup pour ton soutien depuis 2 ans. Magnifique. Comment tu vas faire pour la quête exclusive de Préolar sur Play? Alors, étant donné que j'ai la version Deluxe sur Play, je pourrais la faire, effectivement. Est-ce que c'est une mission, pour ceux qui l'ont fait, qui demandent une astuce ou pas? On va mettre une grosse cicatrice quand même, faut pas déconner. Mais effectivement, parce que sur Xbox j'ai la version standard, donc j'ai pas les bonus de l'édition Deluxe. On va se mettre en normal, hop. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des bonnes idées de nom? Fiona, allez, vas-y, prénom Fiona, maintenant quel nom? Alors on pourrait essayer de trouver un autre jeu de mots encore une fois, parce que pour ceux qui n'ont pas vu mon test, mon perso s'appelle Jean Sorcel. Attends, il y a un jingle exprès, attends. Non, pas un jingle, un bruitage. Où est le bruitage? Jean Sorcel. Et on se marre bien chez les sorciers, hein. Et... Bref. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des idées de noms intéressants? Alors, hop. Sophie Fonfec, ouais, non, faut pas. Ou sinon, on met un nom connu de l'univers d'Harry Potter, mais bon, ça, c'est surfait. Fiona Wanda, pourquoi pas, Clarus Bonificus, allez, Bonificus, c'est parti. De toute façon, c'est pas très important. Hop. Ça fait un peu nom italien, c'est bien, ça ira, ça fera l'affaire. Hop, tac, voilà, et sorcière, commencez notre voyage. Le nom que vous avez saisi contient des mots interdits. Fiona ou Bonificus? À mon avis, c'est Fiona. Vous croyez que c'est à cause de Fion? Genre, Fion est un mot interdit? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Je suis sûr que c'est ça. Eh bien, ce sera... Fio. Est-ce que Fio, ça marche? Oh, Fion est un mot interdit! C'est terrible! La liste des mots interdits. Incroyable! Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec toi avant la... Oh Eléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues.
Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château. Ouais, pour éviter les spoils, tu peux passer les cinématiques. Ouais, mais pour le début, on va les laisser. Et après, on passera éventuellement les grosses cinématiques qui pourraient être importantes, effectivement. La liste des quêtes, ça arrive quand? Ça arrivera sur le site, en écrit, dans la semaine. Pour l'instant, je vais déjà faire les gros idos 100%, qui prennent beaucoup de temps, qui arrivent bientôt. Et après, je fais une liste de toutes les quêtes secondaires, mais vous pouvez les trouver très facilement. Merci David qui envoie du café, merci pour toutes les astuces, avec plaisir, heureux de pouvoir t'aider. Merci beaucoup. Ouais, les quêtes secondaires, globalement, c'est pas le plus urgent, parce que si vous faites toute la carte vraiment en exploration, vous allez toutes les voir automatiquement. Il y en a juste une ou deux qui sont bien cachées. Je vais vous montrer où était la dernière quête secondaire qui me restait, moi, si jamais. Pourquoi tu recommences le jeu? Parce que je voulais pas montrer ma partie hyper avancée. Pour pas spoiler, autant recommencer gentiment, tu vois. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Du coup, pas de platine ce soir. Déjà, la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura un platine? Parce qu'effectivement, du coup, pour ceux qui ont suivi le tout début du live, étant donné que j'ai fait le jeu sur Xbox, est-ce que je vais tout recommencer sur PlayStation 5? Je sais pas, c'est quand même particulièrement long, c'est pas dit que ça n'arrive pas, parce que quand même, ça m'embête de pas débloquer le platine d'Hogwarts Legacy, mais faut que je recommence tout de chez tout, de chez tout, donc peut-être que ça arrivera. Merci Folkami pour ton soutien, pour les guides toujours au top, merci beaucoup. Il y a des refs aux animaux fantastiques, il y a des animaux fantastiques, c'est même mieux que ça. Allez, on va passer la cinématique pour rentrer dans le dur, c'est parti. Tac. Pas aucun guide avant Resident Evil 4. Non, après, il n'y a pas de gros jeux qui sortent avant Resident Evil 4. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Ils ont obligé d'aller demander d'aller aussi loin dans le jeu pour le trophée des maisons. Ah, oh, ça se fait en quoi 4-5 heures, je crois. Hein. Si tu passes tous les dialogues et les cinématiques, ça va. Hein. Si t'as les 1000G sur Xbox, c'est bon. Ouais, mais... Je sais pas, les 1000G, ça me... Je sais pas... C'est pour avoir comparé les deux, du coup, trophée et succès, l'organisation des succès Xbox fait que t'as moins envie d'aller chercher les 1000G, t'as pas un joli trophée, tu vois, qui s'affiche comme ça, là, dans ta petite truc, etc. Donc les 1000G, ouais, motivent vachement moins, et je comprends pourquoi les joueurs PlayStation sont vachement organisés autour des trophées, parce que, en fait, c'est beaucoup plus explicite, en fait. T'as vraiment l'impression d'avoir une étagère avec tes trucs, et beaucoup moins sur Xbox, où là, t'as une grande liste très 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 longue, Et pour avoir comparé les deux, ouais, je comprends. Alors, c'est parti, nous voilà dans le jeu. Le début du jeu est particulièrement impressionnant. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer. On voit celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il y en a qui n'ont pas du tout suivi, c'est fou, l'histoire d'Hogwarts Legacy. Le jeu se passe en 1900, beaucoup, beaucoup, beaucoup avant les films. Donc, pas de professeur des films, pas de Voldemort, pas d'Harry Potter, bien sûr. Rien à voir. C'est quoi la différence entre Levioso et Wingardium Leviosa? Levioso, c'est un sort que tu vas pouvoir utiliser principalement au combat et qui te permet juste de mettre en lévitation des objets. Alors que Wingardium Leviosa, c'est un sort dédié uniquement aux objets qui te permettent de les déplacer. C'est vrai que les deux se rapprochent un peu, mais c'est pas tout à fait exactement la même chose. C'est quoi la durée vie d'Hogwarts Legacy? L'histoire principale, tu vas mettre 30-40 heures, ouais, un peu moins, allez, 25-30, sauf si tu explores vraiment à fond la caisse. Pour un 100%, comptez 60. 60-70. Toujours en performance. Je ne pourrais que vous conseiller le mode performance sur Hogwarts Legacy. Parce que mine de rien, même sur PlayStation 5, la fluidité a tendance à vite baisser. Cependant, le mode fidélité est quand même vraiment mieux. Merci à Benjamin dans la team depuis un mois. Merci beaucoup pour ton soutien. Ces ruines, vous pensez que le porte-loin devait nous emmener ici? Bien sûr.
Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Allez, let's go. Alors pour le mode performance ou mode fidélité, en fait ce qui va surtout changer c'est le niveau de détail des ombres. Et il y a vraiment une énorme différence en termes d'ombre. Ça fait vraiment un gros changement pour si vous switchez entre les deux, vous allez voir, c'est assez fou. Ok, donc belle petite zone qu'on avait beaucoup vue dans les trailers et j'aurais jamais imaginé que c'était la zone de début de jeu, c'est assez fou. C'est assez fou. Me demandez, on peut lancer une partie tout en conservant la deuxième. Oui, oui, au menu principal, tu peux créer 4 personnages en même temps. Regarde, va dans le menu principal, tu verras. Monte un peu le son du jeu, stop. Je me rends pas bien compte, ouais. N'hésitez pas à me dire si c'est pas assez fort ou trop fort. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus. Et pour les quêtes secondaires, il y en a beaucoup qui disent qu'il leur manque des quêtes secondaires, qu'elles sont pas affichées. Elles sont parfois cachées dans des petits endroits de montagne. Faites vraiment tous les petits points qui sont encore grisés sur votre carte. Des fois, il y a une toute petite zone et il suffit que vous passiez à proximité d'une petite zone que vous n'êtes pas allé encore voir. Et hop, vous allez voir la quête principale, la quête secondaire, pardon, s'afficher. À condition d'avoir suffisamment avancé dans le jeu également. Si vous êtes level 12, ça suffit pas, tu vois. Il faut aller un peu plus loin. Mais une fois que tu es level 30, toutes les quêtes secondaires sont dispo, si tu as fini le jeu aussi, bien sûr. Donc, vas-tu faire le 100% de Poudlard, page coffre, ça sort demain. Le montage est en cours et ce serait donc une grosse vidéo 100%. Et attention, il y a 2 pages qui sont buggées à Poudlard pour l'instant. J'en parle dans la vidéo 100% de demain pour que vous puissiez débloquer le château à 100%. La tenue de Quidditch est géniale. Sympa, hein? Ouais, elle est bien. Il y en a plein des tenues bien. Je viens de sortir une vidéo cet après-midi sur les tenues, des trucs sympas. N'hésitez pas à les voir. Allez voir toutes mes vidéos astuces de toute façon. Les vidéos guides, plus tard si jamais, mais les vidéos astuces, allez les voir, vous allez apprendre mais plein de choses. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Ça, l'espèce de brisage de truc là, on le retrouve presque plus après dans le jeu. C'est dommage, c'était hyper impressionnant. Après, c'est que de la téléportation automatique. N'attendez pas à ce que ce soit aussi rapide. Pareil, au début on voit plein de pots et j'espérais trouver des pièces dans les pots, mais non, les pots tu les pètes juste pour les péter, mais il y a jamais rien dedans, que dans les coffres. Est-ce que c'est le Nifemus au Poudlard, car on peut utiliser les sorts interdits à ce qu'on m'a dit? Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait le comparer à Nifemus? Moyen quand même, c'est quand même pas le même style. Pas trop galère pour toi de rembourser le prix du jeu avec l'achat de la console? C'est une très bonne question, Hades, et je ne suis plus à chercher la rentabilité. Le but était de faire le jeu le plus rapidement possible, même si la console du coup déglingue la rentabilité, c'est pas grave, on n'est pas là pour être rentable. On est là pour avancer sur Hogwarts Legacy, nom de Dieu. T'as raté un coffre, c'est pas très grave. Ça fait partie des scènes assez impressionnantes aussi du jeu, ouais, le sort Réparo, alors qu'il est utilisé pas tant de fois que ça, mais quand vous l'utilisez, généralement c'est cool, il y a souvent des murs détruits, vous remontez les murs, etc., puis il y a tous les trucs qui se mettent en branle partout, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Tu vas choisir une fille, et quelle maison tu vas choisir? Ce sera à vous de décider, je vais faire un sondage dès qu'on arrivera à la scène du fameux chapeau, et ce sera à vous de décider, on en reparle dans quelques instants. Es-tu satisfait de la PS5? Oh bah oui, comment ne pas être satisfait? Elle est un peu grosse, mais c'est bon, c'est bien, une bonne console. Bon, la mienne a des problèmes, mais bon. Ce porte-loin nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose. Je connais le chemin, ça fait 3 fois que je recommence le jeu, je prends de l'avance. Platine pour ce soir? Platine, pas pour ce soir, ni la semaine prochaine, ni peut-être même pas dans 3 semaines, parce qu'encore une fois, j'ai fait le jeu sur Xbox. Alors vous allez me dire, oui, mais 1000G alors? Ouais, mais... Si je vais jusqu'au 1000G sur Xbox, c'est sûr que j'aurai la flemme de recommencer sur PS5. Encore cette pierre cristallisée, enchantée. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle peut bien Qu'est-ce que c'est? À mon avis, le meilleur plan, ça va être d'annoncer la sortie de la chaîne Twitch et de bourrer Hogwarts Legacy sur la chaîne Twitch.
On en reparlera bientôt. Mais je pense que c'est la seule solution. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un... T'es trompé pour les clés, je sais pas si je peux en parler. Ça spoil ou pas? Les clés pour les jetons de maison? Non, c'est pas un spoil. Et où c'est que je me suis gouré? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Pourquoi recommencer? Parce que je voulais pas que ça spoil en fait. Il y a plein de gens qui ont pas envie de voir le jeu en avancé. Donc on va juste voir le début du jeu ici. Pour la fin du live, on pourra peut-être passer sur ma partie avancée. C'est pas du spoil, c'est juste pour voir un peu la salle sur demande, etc. Snir sur Twitch, j'ai bien entendu. Ouais, ça fait longtemps que je prévois une ouverture de chaîne Twitch, mais j'ai pas donné de date parce que pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de temps. Mais j'ai bien envie de me lancer sur Twitch pour faire en plus de YouTube d'autres trucs. Du développement de jeux vidéo, du graphisme, mais aussi jouer. Et ça pourra me permettre d'avancer des fois quand j'ai des grosses sessions de jeu à faire, plutôt que je les fasse tout seul, et bah hop, Switch. Switch. Twitch. Est-ce que c'est normal que quand je joue, mon personnage est en bleu et que les portes sont jaunes? Est-ce que tu n'aurais pas activé une option d'accessibilité pour les non-voyants, un truc comme ça? C'est impossible. Un petit instant. Pour le platine, pour le trophée des maisons, on peut sauvegarder avant le choix et le chapeau. Oui, mais ça n'a pas d'intérêt parce que c'est pas choisir le chapeau, le trophée. C'est beaucoup plus loin dans le jeu. Hein. C'est beaucoup plus loin dans le jeu. C'est pas juste choisir la maison. Hein. Faut débloquer une salle qui est 2, 3, 4 heures plus tard. Alors, il y en a qui me demandent, préfère la DualSense ou celle de la manette Xbox. J'en avais parlé la semaine dernière. Je préfère la manette Xbox. À une seule chose près. Je la trouve beaucoup mieux en termes de sensation. J'ai l'impression d'avoir un vrai gros machin qui tient la route. Alors que la manette PS5, elle est beaucoup plus légère. Et en termes de finition, tu sens que c'est plus jouet en fait. Je sais que ça va pas plaire aux fans de PS5, mais encore une fois, moi je suis objectif, j'ai pas de console préférée. Alors que vraiment, la manette Xbox, t'as vraiment l'impression d'avoir un truc qui tient la route. La séquence des petits trains dans la mine, elle est incroyable. Par contre, il y a un truc qui est rédhibitoire sur la manette Xbox. Des piles. En 2023, des piles. Oui, tu peux acheter une batterie. Ouais, mais 30 balles. Oui, mais il y a des piles rechargeables. Je sais, mais des piles, merde. Ah, la petite scène sympa, là. Là, normalement, quand vous êtes fan des films et qu'on se rappelle de la scène avec Harry, où justement, il arrive dans le coffre avec les trucs, etc., puis il y a la scène comme ça, là. Quand on vit ça, là, mais c'est vraiment un rêve absolu, quoi. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes ou les deux peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous. Est-ce que je vais sortir des vidéos jusqu'à la fin du jeu comme assez Valhalla? S'il y a des contenus réguliers, ouais. On sait pas encore quelle stratégie de contenu ils vont mettre en œuvre. Est-ce qu'ils vont faire des mises à jour gratuites? Est-ce qu'ils vont faire juste des gros DLC? On ne sait pas le futur d'Hogwarts Legacy. On se doute tous que le Quidditch finira par arriver, mais on ne sait pas sous quelle forme. En tout cas, ouais, je vais suivre les prochaines mises à jour du jeu, bien sûr. Est-ce que tu vas faire le nouveau Zelda? Je pense faire le nouveau Zelda, ouais. C'est mon premier jeu de Switch. Tromper dans l'explication avec les clés, en fait, faut la frapper au moment où elle passe devant la serrure et pas quand elle est face à nous. Ah oui, mais c'est pas une vraie... Ok, d'accord, j'ai cru que je m'étais trompé, que j'avais mal expliqué où était une clé, etc. D'accord, effectivement. Donc ça va, c'est pas une erreur si grave que ça. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Est-ce
est-ce qu'il y a des nouvelles sur le prochain Assassin's Creed? Eh ben non, toujours pas, hein. Ubisoft traîne, mais Ubisoft n'a plus envie d'annoncer de date. Nous y sommes. Parce que, bah, on voit bien, maintenant, les jeux sont repoussés. Donc on aura des news du prochain Assassin's Creed quand Ubisoft sera prêt. Je pense que ce sera pour mars. Je peux me tromper, mais je serais pas surpris d'un petit événement fin mars pour Ubisoft. Si il n'y a pas d'Assassin's Creed en mars, faudra attendre milieu d'année pour les grosses conférences de l'E3, etc. Tu sens une différence entre la version série S et PS5, surtout sur la fluidité, beaucoup. En termes de framerate, ça n'a rien à voir. Le coffre de l'enfant. Merci pour votre aide. Merci Irma, on va attendre ta notif. On profite un petit peu de la zone, hein, parce qu'après on n'y revient pas là. Hein. Bon, c'est pas très grand, hein, mais... Ubisoft va mourir. Non, pas du tout. J'avais expliqué dans une vidéo, justement, qu'Ubisoft allait très 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 mal. Et à la fin, ma conclusion, c'était que justement, au contraire, l'avenir est particulièrement radieux pour Ubisoft. Mais là, le tunnel est d'une sombritude terrible. Quand il sera passé le tunnel, ça va envoyer du très très lourd, hein, avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre là. Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Merci beaucoup Irma pour ton soutien. Petit café pour Irma. Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. D'accord. Voyons un peu ce qui nous échappe. Allez, premier sortilège à apprendre, bien entendu, l'une des grandes parties du jeu, ça va être d'apprendre des sorts, hein, au fur et à mesure, avec des professeurs, vous allez devoir faire vos devoirs. Je sais pas si ceux qui ont fait le jeu ont aimé ce système de devoirs, où le jeu vous force à dire non, tu ne vas pas avancer dans l'histoire principale, va faire tes devoirs, et donc là, faut sortir dans le monde, faut aller trouver des ennemis, faut aller utiliser tel truc, acheter tel truc, etc. Moi, j'ai trouvé ça bien, que le jeu exprès vous force, vous ralentisse, en mode non, tranquille, tu ne vas pas claquer le jeu en 6 heures. Et notamment, bah justement, pour apprendre des sorts. Là, on apprend Revelio, un sort particulièrement utile pour trouver tout ce qu'il y a à trouver, même si c'est pas magique. Enfin, si. Mais c'est pas cheaté. Boum. Revelio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte? C'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Allez, c'est parti. En parlant de l'E3, tu as vu que Nintendo, Sony et Microsoft n'iront plus. Ouais, mais c'est parce qu'ils vont faire le Summer Game Fest en même temps, en fait. C'est bon, on a compris, le 3 est mort, maintenant c'est le Summer Game Fest. Ça change rien, ils seront toujours passant autour de juillet, juin-juillet, tout le monde fait les conférences, peu importe que ce soit dans le 3, en dehors de le 3, etc. Il faut refaire 4 fois le jeu. Allez voir mon guide, on va pas répondre à cette question, j'ai déjà répondu au moins 600 fois. Allez voir, j'ai fait une vidéo d'explication sur tout ce qu'il faut savoir. Vous saurez tout en cherchant un peu. J'ai expliqué tout ce qu'il y avait expliqué. Allez, fonce, Fig. Je vois quelque chose plus loin. J'ai bien aimé les professeurs auxquels il... Eh, merci à Julien, qu'envoie un petit don. Non, Julien, c'est un énorme don, Julien. Eh ben, ce soir, le café, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre soutien. Ça fait longtemps, tes guides sont toujours précieux. God Legacy est mon prochain platine. Je me spoile pas, bon live à tous. Eh ben, merci, Julien, d'être passé. Merci pour ton soutien. Ok, un petit peu de magie ancienne, la magie ancienne très importante dans le jeu également, dans l'histoire, etc. Il y en a peut-être qui auraient aimé avoir un gros simulateur de Poudlard à 100%. Ça l'est un peu, forcément. Mais l'histoire principale est quand même importante à côté, donc... Tu vas venir être remboursé la Xbox. Eh bien effectivement, merci à vous de votre soutien, d'aider à rembourser la Xbox Series S. 300 balles quand même, mais bon. On ne se plaint pas. De toute façon, je comptais acheter une Xbox un jour ou l'autre. Donc ça a été un prétexte, entre guillemets. J'aurais bien aimé attendre d'avoir une série X, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir acheté une console qui est déjà dépassée. Mais bon.
J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet. Allez, on va apprendre, le fameux, normalement. La position des statues est inversée. Hey, quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Le fameux Lumos. Hop. Est-ce que quelqu'un a déjà raté ce QTE? Est-ce qu'ils sont ratables? Je sais même pas, j'ai jamais essayé. Je crois que si tu dois pouvoir rater, c'est le petite flamme rouge qui te rattrape là. Mais est-ce que quelqu'un a déjà raté un QTE de sort? Je ne crois pas. Et attention, El Famoso. Lumos. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. C'est parti pour le combat, nous voilà un peu dans les choses sérieuses. Alors au début, le jeu peut paraître un petit peu en mode spam. On envoie la gâchette à fond la caisse. Et c'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur. Mais au final, une fois que t'as débloqué plein de sorts, ça devient beaucoup plus stratégique. Merci le jeu. Ça fait quoi de rater un QTE de sort? Bonne question, j'ai jamais essayé. Je pense que tu dois juste recommencer, hein. De toute façon, parce qu'aucun sort n'est ratable, à part les sorts de magie noire, bien sûr. On va faire Protégos, Nia. Ouais, mais là, ça va, tranquille, ils font pas de dégâts. On est bien d'accord. D'ailleurs, à ce sujet, en parlant des combats, demain, je vous sors une vidéo de plein de conseils au combat. J'ai pas encore beaucoup donné d'astuces au combat, mais il y a une vidéo dédiée qui sort demain, 18h15 comme toujours. Mon rythme actuellement, c'est une vidéo chaque jour, 18h15, pour donner des astuces. Et tout à côté, les vidéos guides. Voilà, c'est l'objectif, c'est le rythme actuel. Je vais bientôt mourir de fatigue, mais tout va bien. Hop là. Ah oui, il faut utiliser Protego pour l'objectif. Pardon, effectivement. On n'était pas concentrés. Attaquez-moi! Ah oui, effectivement, c'est mieux. Et on n'oublie pas de maintenir, hein, pour lancer un super fixe. Ça, le jeu ne vous l'explique jamais. Il explique peut-être rapidement quelque part. Mais bon, pas assez. On peut faire les portes à code et les clés de la maison. Avance tranquillement dans l'histoire, ça va arriver tout seul. Hop, est-ce que tu feras une vidéo sur la Switch quand il y aura la Game Boy et la Advance? Quoi? Je n'aime pas ça. Pour le 100%, tu feras région par région comme sur God of War. Non, je vais tout combiner, toutes les régions de campagne en une seule vidéo. Parce que ça va très vite au final, les régions de campagne. En 10 minutes, t'as fait une région. Et je vais pas faire 9 vidéos de 10 minutes, tu vois. Attends, hop. Lumos. Je vais pas faire 9 vidéos de 10 minutes, donc je vais faire une grosse vidéo d'une heure et quelques pour toute la campagne. Il y aura donc une vidéo 100% de Préolard, une vidéo 100% de Poudlard, la plus longue, et une vidéo 100% de la campagne, qu'ils ont appelé les Highlands, dans le jeu. Ah, c'est donc là qu'ils m'emmènent. Toujours cette lueur. Poudlard, c'est tout enregistré, le montage est fait demain, et normalement publié demain soir. Et après, j'enchaîne sur la campagne mercredi max, normalement, c'est ok. Velio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Je crois que je n'ai pas le choix. On est en mode normal en termes de difficulté. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Protego, stupéfix. Stupéfix.
combien de temps pour arriver à la salle des... La salle des cartes et débloquer les 4 trophées. Je pense environ 5 heures de jeu. Si tu passes toutes les cinématiques et les dialogues, peut-être un peu moins. C'est vrai que pour le trophée des maisons, ils auraient pu juste dire choisir chaque maison. Je sais pas pourquoi ils ont voulu absolument qu'on aille débloquer la salle de la carte. Ma foi, c'est pas si grave que ça, c'est pas si punitif. Surtout le fait qu'on puisse faire 4 sauvegardes en même temps, parce que imaginez, s'il fallait forcément recommencer le jeu entièrement et perdre ta progression, là ça aurait été fourbe. Mais c'est pas le cas. Donc ça va. Est-ce qu'il y a des trophées manquables, mis à part la... les salles de cartes de chaque maison? Alors c'est même pas manquable au final, mais non, à part ça, sinon tout peut être fait après la fin du jeu. Personnage secret, oui, il y a un nouveau personnage secret sur le live. Donc 3 indices à débloquer vu qu'il est tout nouveau. Tu peux faire un guide de tous les ennemis pour les tuer avec la magie ancienne? Ouais, ça fera partie des vidéos qui arrivent. Je vais déjà faire les vidéos 100% des régions de Poudlard, et après, je ferai une vidéo sur l'emplacement de tous les balais. J'ai des notes, on va lire les notes. Donc tous les balais, tous les ennemis effectivement... Donc attribut, manche de baguette, ce sera fait, invocation, ce sera fait, page de guide, ce sera fait, tenue, ça devrait être fait aussi avec les vidéos 100%. Les cairns également, l'emplacement de tous les cairns. Puis normalement, devrait être pas mal, hein. Donc encore au moins 5 grosses vidéos en placement qui devraient arriver. Que toutes les quêtes seront visibles sur la carte ou certaines ne sont pas visibles. Toutes les quêtes sont visibles si tu as exploré toute la carte. C'est-à-dire que s'il y a une quête, un endroit que tu n'as pas exploré, tu la verras pas. Je vais vous montrer quand on aura la carte. C'est pas encore tout de suite, mais ça arrive. Où est-ce que pourrait être votre dernière quête si jamais il en manque une? De ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons aussi. Imitez-moi. Ça, on va passer pour que ça vous laisse un peu la surprise pour ceux qui voudraient éventuellement tout découvrir. C'est orienté très histoire. Autant vous laisser la surprise, c'est pas très important. Nous, ce qu'on veut, c'est voir le château. Et on est bientôt, d'ailleurs, au château. La vidéo de la magie ancienne sur tous les ennemis, elle arrive en fin de semaine, parce que là, déjà faire le 100% des régions, ça va me prendre jusqu'à mercredi. Donc mercredi, vidéo des ennemis, jeudi, vendredi. De toute façon, fin de semaine, tout est fait, rassurez-vous. Et le niveau max, c'est bien le level 40, effectivement. Comment on obtient l'oncle de reproduction pour animaux? Il faut l'acheter au magasin Tom et Parchemin. Va voir mes vidéos astuces. Record de viewers en live, c'est combien? On s'était approché des 1000 sur un live Assassin's Creed Ubisoft. Venez, la cérémonie de la répartition. Allez, on y est, ça y est, enfin, c'est le moment que vous attendiez. Rien que cette intro aura suffi à beaucoup de monde, hein. Très clairement, très clairement. As-tu fait aussi le mode hardcore dans Horizon? Non, il n'était pas obligatoire, donc je ne l'ai pas du tout fait.
Tu peux faire le succès de la magie ancienne quand t'as fini le jeu. Oui, tous les ennemis sont dispo. Surtout qu'en fait, ce que le jeu dit pas, c'est que les ennemis uniques, mini-boss en fait, ne comptent pas dans le trophée de la magie ancienne. C'est uniquement sur les ennemis classiques. Donc il suffit de retrouver tous les ennemis possibles et d'utiliser la magie ancienne. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Bon, les amis, il est donc temps, bientôt, on va démarrer le sondage maintenant parce que ça arrive, de choisir la maison de cette partie. Partie que l'on continuera peut-être en live un jour pour replatiner le jeu sur PlayStation. Peut-être sur Twitch, peut-être sur YouTube, on ne sait pas. Mais donc, il faut bien choisir. Encore une fois, je sais que la majorité ont envie de choisir Serpentard ou Gryffondor. Et je vous comprends. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de voir les autres ? Je pose ça là, ce sera à vous de choisir, un sondage va apparaître dans le chat dans un instant, il n'est pas encore là. Mais vous faites ce que vous voulez, Mais ça peut être bien de changer un peu, tu vois. Quelle maison on choisit ? Mais que deux choix, c'est-à-dire non, on met un vrai choix. Serpentard, Gryffondor. J'essaie de pas faire dessus, je vais sans doute faire des fautes aux maisons, mais c'est pas grave. Pouf, souffle. Je peux faire exprès de faire des fautes même, d'ailleurs. Et Serdaigle, hop. Voilà, Serdaigle, ça va, c'est pas trop dur à écrire, c'est les autres qui sont un peu plus chiants. Ok, le sondage va arriver dans un instant, ce sera donc à vous de décider, comme ça vous avez quelques instants pour voter. Faut aller vite parce que ça va arriver. Hein. Puis la salle aussi, la salle de repas là, incroyable, la grande salle, magnifique. Ça c'est un point, je vais sans doute faire énormément de vidéos, enfin énormément, au moins quelques-unes, des petites vidéos sur les détails du jeu. Parce que autant c'est pas le jeu le plus magnifique du monde si tu compares par rapport à des énormes perles techniques, autant sur les petits détails cachés par-ci par-là, c'est dingue. Et il y a un truc que j'ai adoré, c'est qu'effectivement, la salle, la grande salle, les repas sont réellement en fonction des heures de la journée. Tu vas le matin, il n'y a personne, tu reviens le midi, il y a les gens qui mangent, tu reviens l'après-midi, il n'y a plus personne, tu reviens le soir, il y a les gens qui mangent, c'est incroyable. Merci Dominique pour ton soutien, merci pour tes guides, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Et Papy Gaming, merci également d'être dans la Team Café depuis 14 mois. Des préférences et des préjugés. Alors, ça a été un des points, moi, ça m'a un peu... J'aurais bien aimé un vrai questionnaire complet. Merci Papy Gaming encore une fois. J'aurais bien aimé vraiment une liste de au moins une dizaine de questions. Ah, peut-être pas 10, ça fait beaucoup. 7, allez, 7 questions. Vraiment un vrai questionnaire. Et l'audace aurait été même, la vraie audace aurait été de ne pas laisser le choix au joueur après de changer sa maison. En mode vraiment, t'as répondu au questionnaire, t'es dans cette maison, c'est comme ça. Après, il n'aurait pas fallu faire un trophée, obtenir un truc sur chaque maison. On est bien d'accord avec ça. Mais ça aurait été vraiment, tu vois, le summum du réalisme. Mais au moins un questionnaire un peu plus complet. Parce que là, tu vois, bon, j'ai hâte de commencer les cours. Tu sais que si t'as hâte de commencer les cours, tu vas pas aller du côté de Serpentard. Globalement, hein. Voilà. Et hâte d'explorer un peu plus, déjà. Questionnaire complet existe sur Wizarding World. Tout à fait, le questionnaire officiel, on est bien d'accord. Bah, j'aurais bien aimé qu'il l'implémente, ce questionnaire officiel, tu vois. Ça aurait été vachement bien. Comment on fait pour réaliser les exploits de duel? Bah, tu regardes l'exploit de duel, et en fonction de ce qui est marqué, bah, faut le faire. J'ai hâte d'explorer. J'ai hâte d'explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc ? Pareil, tu vois, si tu choisis l'ambition, tu sais que c'est la qualité numéro 1 de Serpentard. C'est un peu facile, tu vois, loyauté, Gryffondor, curiosité, audace, l'un des deux, peu importe. Donc ouais, c'est... Il aurait fallu en faire un peu plus. Mais c'est pas grave. Là, on fait des choses bizarres avec les mouches, hein, comme on dit. Donc mettons l'ambition. Est-ce de l'ambition ? Y a-t-il un New Game Plus ? Non, y a pas de New Game Plus. Et c'est vrai que ça aurait pu avoir sa place également. Pour réussir. Intéressant. Vous avez appris récemment que vous possédiez une capacité rare. Je sens une grande ambition.
Une loyauté, c'est Poufsouffle. Et Gryffondor, c'est pas la loyauté, peut-être c'est quoi Gryffondor alors? Vous allez à Serpentard. Pour moi, loyauté, c'était quand même vachement Gryffondor. Oh bah Serpentard, mais non mon ami, puisque le sondage, il est en train de partir en direction de Poufsouffle. Je suis particulièrement épaté. Vous m'impressionnez. Je pensais que vous alliez éclater Serpentard, et non. Avec plus de 250 votes, c'est Poufsouffle qui est en tête à 40%, mesdames et messieurs. Je pense donc que nous allons découvrir la belle petite maisonnette de Poufsouffle. Et je suis bien content. Je suis bien content. Hop. J'ai bien aimé d'ailleurs, c'est des petits patchs un peu brodés là. J'ai bien aimé qu'ils soient pas juste un icône, mais tu vois que c'est comme si c'était un peu brodé. Et ben nous allons aller du côté des blaireaux, les amis. Du côté des blaireaux. Eh bien, très bien, c'est un animal sympathique, le blaireau. Let's go. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir. Tout à fait. Let's go. Vous serez donc chez Poufsouffle. Yep. Encore ah oui. Une chose. Écoutez en bien. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Oh bah mince alors ! Oh ! Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai bien aimé qu'il la justifie quand même, cette absence du Quidditch. C'est bien, tu vois. Il aurait pu juste ne pas le mettre et pas penser à le justifier. Mais du coup, justement, qu'est-ce qui va se passer si jamais un jour ils implémentent le Quidditch? Est-ce qu'ils vont supprimer le dialogue dans la mise à jour? Est-ce que c'est un indice pour dire que le Quidditch n'arrivera jamais? Je suis le professeur Weasley. Ah! Ravie de vous connaître. Bonjour madame. Je suis Weasley, vous dites? En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Après vous madame. Tac, est-ce que tu vas repartir sur la magie noire ou que tu comptes faire un gentil sorcier? Rien à foutre, magie noire, et let's go. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce sera peut-être difficile. Mais je suis sûre que vous en avez vu d'autres. En effet, professeur. Bon, nous voilà à l'entrée de la salle commune de Poufsouffle. C'est ça, l'entrée ? Exact. Je vais vous expliquer quoi faire, mais je ne le ferai pas moi-même, parce que la moindre erreur entraîne une projection de vinaigre. Je n'y tiens pas. Il faut tapoter ce tonneau, le deuxième en partant du bas, au milieu de la deuxième rangée, au rythme de Helga Poufsouffle. Très bien. Maintenant, allez donc vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai oui. Vous prendre dans la matinée. Est-ce que tu feras toujours des lives YouTube si tu pars sur Twitch? Oui, ce sera en plus. Il y aura toujours les lives du dimanche, toujours. Mais il y a plein de choses qui n'ont pas leur place sur les lives YouTube. Encore une fois, par exemple, du graphisme, tu vois. Quand je vais faire les montages platine pour mon Instagram, ça n'a rien à faire sur YouTube. Donc là, ce sera le moment de faire ça sur la chaîne Twitch, par exemple. Ou de faire 25 heures de live non-stop. C'est chiant sur YouTube d'être toujours devant tout le temps. Donc ce sera en plus. Nous voilà dans la maison de Poufsouffle, une de mes préférées, hein, globalement. Tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. C'est là qu'on va commencer à avoir le niveau de détail qui est quand même hyper impressionnant dans le jeu. Les intérieurs sont quand même assez monstrueux. Regardez-moi ça. Encore sur le live, vous vous rendez pas compte. Hein. Si vous jouez sur une belle télé, alors, il y en a plein qui ont déjà le jeu, vous le savez. Vous l'avez vu. Hein. Mais pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, aïe aïe aïe. Tac. Oh, j'ai une petite question. Tu en es où pour le platine? Nulle part, puisque je n'ai pas fait le jeu sur PlayStation.
Je t'invite à revoir le début du live pour savoir. Merci Jérémy pour ton soutien. Et apparemment, on a débloqué les pouces bleus pour le perso secret. On va pouvoir donner 3 indices. Oh oui, mais j'ai la tête ailleurs, à cause d'une lettre de mon oncle. Effectivement, sinon, ben on s'en occupe dès qu'on est, on est libre. Tu as vraiment failli te faire dévorer par un dragon? D'accord. Oh oui, hein, c'était dur. Cette rumeur est vraie. Assez unique comme en rentrée scolaire. C'est terrible. Je suis ravie que t'aies pu arriver jusqu'ici. Bref, je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée. C'est bien des dialogues à la pouf-souffle, ça. Hein. J'espère que tu passeras des très bonnes journées. Hein. À Serpentard, c'est vrai, casse-t'en. Pas à ce point-là non plus. Merci Jérémy pour ton soutien. Comment ça va? Merci pour le travail fourni. Eh ben écoute, merci à toi. Et puis ça va, la fatigue est présente. Mais on est bien, on est bien. Alors je vous remarque que quand même, ils sont un peu moins foufou que chez Gryffondor. Puisque chez Gryffondor, il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur le haut de la cheminée hein, quand t'arrives. Là, il y a quelqu'un qui marche à moitié au plafond, tu fais qu'est-ce qui se passe là? Non, là, ils sont tranquilles chez Poufsouffle. Ils sont assis par terre, ils arrosent les cactus, ils prennent des petits cafés. Alors, je sais qu'ils boivent que du thé dans ce jeu, ça m'a perturbé. Il y a des théières de partout. Voilà. Il n'y a que ça. On va dire, ils sont anglais, c'est normal. Ils caressent les hiboux, tu vois, tranquille. Mais ils sont pas en train de marcher sur les murs, tu vois. Ça va aller. Voilà, ils sauvent les petits chatons, alors que le chaton, il y en a rien à foutre. Lui, c'est pas un pauvre souffle, c'est un chaton. Hein, voilà, tranquille. Mais Arthur, il essaye de sauver le chaton. J'arrive pas à l'atteindre. Venez, il est parti par là. J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château, un élève peut s'y perdre, alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi, tu trouveras vite tes marques. Cela peut paraître un peu écrasant au début. Moi-même, je m'y perds encore, parfois. En fait, bienvenue à Poufsouffle. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Je m'appelle Arthur. Merci, c'est un plaisir de faire ta connaissance. C'était ton chat? Non, il appartient à un... Il faudra vraiment qu'on aille voir les animaux aussi après. Hein. Je n'ai pas d'animal de compagnie, malheureusement. Ma mère ne les aime pas. Surtout ceux qui sont magiques. Si vous avez vu un peu les vidéos que j'ai publiées de temps en temps, vous avez vu les bébés nifleurs, les gars. Nous les aidons en retour. Oh, les bébés nifleurs. S'y habituer un peu. C'est beaucoup trop. Et il faudra. Oh, sinon, tu commences aujourd'hui ou tu as déjà commencé notre partie? Ah, je commence, je découvre le jeu aujourd'hui. C'est la première fois que je joue au jeu, la Green Puzzle. Première fois. Je viens d'acheter le jeu. Ça m'impressionne, comment vous faites? C'est un plaisir de te connaître, Arthur. Bonne chance pour trouver le chat. Quelle maison tu as le plus aimé? En termes d'esthétique, Gryffondor Poufsouffle, ça claque. Mais en fait, toutes. J'avais peur de Serpentard. J'avais peur de Serpentard que ça fasse vraiment cave. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, en fait. La maison Serpentard, elle est moins, forcément moins jolie, mais pas dégueulasse non plus, tu vois. Donc en vrai, let's go, quoi. C'est bon, hein? Ah, salut. Elle est majestueuse, n'est-ce pas? C'est ton hibou? J'ignore à qui elle est. Probablement à un de ses poufs-souffles. Après tout, les hiboux choisissent qui ils fréquentent. Attends, tu es la nouvelle élève de 5e année? Ton arrivée était spectaculaire. Ça marche. Bon allez, on va passer un petit peu les dialogues rapidos. Le but étant quand même de vous montrer le château. Hein. Hop. La dernière recrue du poufs-souffle est-elle enfin levée? Le professeur Weasley. Les entrées sont cool aussi, là. Hop, voilà. Toutes les animations du jeu sont trop cool, de toute façon. De tous les côtés, il y a des trucs qui bougent, c'est incroyable. Non, il y a une carte ici, là. Hop. Non, t'es pas encore. Ah, ils sont pas encore. Ah, mais non. Faut ouvrir le livre et ils s'en foutent partout, c'est vrai. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Mais très bien, madame Weasley. Depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Hmm? Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Buse? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Hop, et voilà. Tenez, voilà. Et cette action-là, cette action qui va arriver dans 30 secondes, là. Ça, là. Merci, merci. J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier.
Il vous permet de consigner ce que vous apprenez, afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Ça, là. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Oui. Ça, c'est ce qui va faire en sorte que vous ayez des centaines de putains de pages à ramasser partout. Que voulez-vous dire? On n'aurait jamais dû l'ouvrir, ce bouquin, moi, je vous le dis. Jamais. Répondra à vos questions. En vrai, nous allons vous tester. Dans le château, l'exploration est trop cool. Donc, les 150 pages à récupérer dans le château, vraiment, c'est pas un problème. Parce que, au final, tu découvres toutes les pièces. C'est vraiment cool, tu vois. Mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Quand même. Allez, il est 21h, on va pouvoir faire le premier tirage ce soir. Donc vu qu'on est nombreux, il y en a peut-être qui ne suivent pas régulièrement les lives. Sachez que sur mes lives, vous avez un système de points de fidélité qui sont, contre toute attente, les points café. Hein, on allait chercher très loin pour trouver ça. Et donc vous pouvez en gagner directement en étant présent ici, en regardant le live, en participant dans le chat, point d'exclamation café pour voir vos points. Et du coup, et bah, toutes les heures, je fais des tirages au sort pour vous en faire gagner un petit peu plus. C'est donc le premier tirage au sort de la soirée. Tac, vous pouvez participer en mettant point d'exclamation tasse sans espace. Let's go, quelqu'un sera tiré au sort dans un instant. Elle arrive quand la mission avec les lunes de demi-guise? Assez rapidement si tu avances dans les missions principales. C'est un truc vraiment que, dans ma première vidéo astuce, je crois, et dans mon test aussi, c'est vraiment un jeu où il faut progresser dans l'histoire principale vite, en fait, et pas attendre d'essayer d'explorer, de faire des choses, etc. Il faut vraiment se concentrer sur les missions principales pour faire au moins les 10 premières heures de jeu, et tu vas voir déjà tout ce que tu auras débloqué après les 10 premières heures, je vais y arriver. Voilà, mais vraiment, au début, t'as pas grand-chose, donc vraiment avancer l'histoire principale. Tac. Voilà, donc le menu du jeu, magnifique. Beaucoup de défis également. Beaucoup de récompenses également, mais surtout, est-ce qu'on les a déjà débloqués? Pas sûr. C'est les collections, voilà. Le plus long pour les trophées, c'est qu'il faut compléter toutes les collections. Les collections, c'est comme l'encyclopédie de Red Dead Redemption 2, où vous deviez cartographier la moitié des animaux de la Terre. Bah c'est pareil, faut récupérer les 150 pages, etc., font la caisse. Et c'est pour ça qu'il y aura des belles vidéos 100%, la première est déjà disponible, c'est Préolard à 100%, c'est fait. Poudlard à 100%, ça arrive demain soir, et le reste du monde à 100%, ça arrive après. Pas dire deux jours parce que je sais pas, mais bientôt. Et comme ça, vous pourrez avoir tout à 100% en faisant attention, parce qu'il y a deux bugs actuellement à Poudlard, je vous en parle dans la vidéo 100% demain. Les petites poutres de cheminette, bien entendu. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette. N'est-ce pas? Pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Tac. La carte pas toujours très simple de se diriger, de se trouver les bons endroits. Mais bon, ça va. Merci Florian, membre de la team depuis 20 mois, comment ça va? Bah écoute, un peu fatigué de ce rythme infernal de World Legacy, mais ça fait partie du truc, donc tout va bien. Après vous, madame. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici, c'est le cœur du château. Notre garde King. Et là, normalement, quand on commence à arriver là, là ça claque, le château quand même. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas. Tu parles des pages qu'on ne peut pas interagir. J'ai pas rencontré de pages avec lesquelles je pouvais pas interagir. Par contre, j'ai rencontré des pages qui ne comptaient pas. Tu les ramassais, mais elles ne se débloquent pas. Il y en a deux. Et apparemment, je suis pas le seul à avoir rencontré ce problème. Il y en a d'autres aussi qui m'ont dit qu'ils avaient le même problème. Donc faut faire attention, mais je pense que ce sera réglé dans un patch rapidement. Mais attention quand même. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait énormément de dialogues dans les différentes phases du jeu. La plupart n'ont aucune importance, hein, bien entendu.
Des ruines, globalement. Vous dites bon. C'est lesquelles de page qui comptent pas? Bah, je vais pas pouvoir en parler là, Logan. T'iras voir la vidéo qui sortira demain, ce sera plus simple, hein, bien sûr. C'est des pages qui sont assez faciles à trouver en plus, donc je pense qu'une grande majorité les ont récupérées. Donc j'espère que le patch sera correctif et que ce sera pas foutu pour énormément de monde, parce que... Est-ce que passer du jour à la nuit active des quêtes secondaires? Non, elles ne les font pas apparaître, elles sont présentes, et il y en a certaines que tu peux faire seulement la nuit, seulement le jour, mais dans ce cas-là, quand t'arrives sur le point de la quête, ça te dit attendre, et ça fait passer automatiquement. Il ne faut pas que toi, tu le fasses toi-même. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur? Elle sort quand demain 18h, la vidéo, elle sort dès que je l'ai terminée. Étant donné que le montage n'est pas encore fait, je vais me buter toute la nuit dessus, rassure-toi. Elle sera peut-être dispo même avant 18h. Ce qui est sûr, c'est que demain 18h15, il y a une vidéo astuce qui sort. Parce que celle-là, elle est prête. J'ai une d'avance. Oui, le guide des sorciers. Allez, c'est bon, madame. Je peux aller travailler maintenant, super. Oh, les dialogues, je les connais, c'est bon. Ça fait 3 fois que je refais le jeu. Bon. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley? Oui, monsieur. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Malgré tout, je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Ouais, ça c'est un petit truc qui est rigolo, c'est que tu peux choisir des fois de dire des choses ou de pas dire des choses. Alors généralement, ça a aucune importance. Mais pour certaines quêtes secondaires, comme je le disais dans une vidéo astuce, ça peut vous permettre de gagner plus de choses, en fait. Tu peux choisir de négocier tes récompenses ou de garder des fois des choses que tu as récupérées pour toi. Et bah du coup, ça te permet de garder plus de choses et ça va pas avoir d'impact particulièrement négatif. Donc négocier comme des gros bâtards dans Hogwarts Legacy, il n'y a aucun problème. Encore une fois, c'est un choix moral. Hein. Un Gryffondor ou un Poufsouf n'irait jamais négocier une récompense, bien sûr que non. Alors qu'un Serpentard, déjà un peu plus. Dans quelle maison? Eh bien, nous avons choisi Poufsouffle. Avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Tu passes les dialogues avec triangle. En fait, j'arrive pas à savoir parce que des fois j'appuie sur triangle, ça passe pas les dialogues. Des fois j'appuie sur triangle, ça passe les dialogues. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur tous les boutons en même temps. Je fais les 4 boutons en même temps et ça passe forcément les dialogues. En fait, j'ai l'impression que de passer les dialogues, ça alterne d'un bouton à l'autre. Ça ne doit pas être le cas, je pense pas. Mais le fait d'appuyer sur tous les boutons en même temps, ça passe les dialogues. Donc voilà, mon astuce. Bourrer les 4 boutons en même temps. Tac, allez, alors voyons voir. On peut aller faire le cours de défense contre les forces du mal ou un autre. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver. Oui, il y a même un GPS magique qu'on connaît, t'inquiète. Tac, laisse-moi montrer le château aux gens qui sont présents. Donc à partir de là, normalement, la plupart des gens ont dit j'ai envie d'explorer, tu vois. Là, et donc le problème, c'est le problème avec Hogwarts Legacy, c'est que t'as envie d'explorer tout de suite. Il faut se retenir d'explorer tout de suite. Il y a plein de choses que vous n'allez pas pouvoir faire tout de suite. Vous n'allez pas avoir votre balai tout de suite. Il y a plein de sorts dont vous allez avoir besoin que vous n'aurez pas tout de suite. Donc, avant toute chose, mettez-les sur mute. T'entends un écho? Bah, la télé sur mute. T'entends un écho, toi? Non, il n'y a pas d'écho. T'entends un écho? En tout cas, il ne doit pas y en avoir. Essayez de vous concentrer déjà sur l'histoire principale, encore une fois. Vraiment, vous allez débloquer plein de choses dans les premières heures de jeu et après, ce sera beaucoup mieux. On a les petits temps de chargement du jeu. Et c'est là où vraiment je suis inquiet pour les versions old-gen. Ça va être plus compliqué sur la PlayStation 4 et sur la Xbox One. Hein. Ça va être compliqué. Faut voir, hein, ils vont bosser, hein, ils ont encore un mois et quelques, mais... Hop là, tac. Stupéfix! Quoi, c'est tout? Bombarde! Médioso! Professeur Ikat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides.
C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. On n'a pas tiré au sort le gagnant de 21h, on va le tirer dès maintenant. Le premier gagnant sera Repton. Repton, bravo à toi, tu gagnes 15 points café qui te seront crédités après la fin du live pour dimanche prochain, puisque le live c'est toujours pareil, dimanche 20h, 23h. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation ? Levioso ! Tu sous-estimes Levioso ! Mais la question surpris est affaiblie. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette ? Eh bien non. Des fois, les doublages... Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Il y a certains profs où les doublages sont un peu plus faibles que d'autres, on va dire ça, voilà. Deuxième sort appris, les Levioso, particulièrement efficace. Je vous explique pourquoi il est complètement pété demain à 18h15. Vidéo astuce combat, dédiée 100% combat, sans la magie noire. Parce que j'ai fait une vidéo dédiée à la magie noire, il y a plein de gens qui ne veulent pas utiliser la magie noire, et on vous comprend. Vous faites un mauvais choix, mais on vous comprend. Eh bien demain, vidéo pour vous, Levioso, c'est complètement pété. Les trois indices du perso secret, effectivement, on va pouvoir les donner dès maintenant. Deuxième chose sur le live, pour ceux qui ne suivent pas les lives régulièrement, en plus des points café que vous gagnez au tirage au sort toutes les heures, il y a également un personnage célèbre secret à trouver dans le chat. Si vous le trouvez, c'est 400 points direct. C'est presque un cadeau directement si vous trouvez le personnage secret. La semaine dernière, c'était Hank. De Detroit Become Human, c'était pas facile. C'était pas facile. La semaine d'avant, c'était Lapin Malin. C'était pas facile non plus. Il y en a eu des plus simples. Il y a eu Albert Einstein. Il y a eu plein de gens connus. Maintenant, c'est une autre personne. Tout nouveau, tout propre, pas d'indices. Et donc, c'est à vous de trouver les indices en posant vos questions maintenant, dès maintenant dans le chat, pour essayer de trouver le personnage célèbre. Ça peut être tout et rien. Donc, allez-y, posez des questions. J'en sélectionne 3 et ça vous fera 3 indices. Et hop, Levioso. Quel est ton professeur préféré? J'aime bien le prof de potion. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Allez, première question qui tombe. Je vais les prendre au pif. Tac, est-ce que c'est quelqu'un de réel? Oui, c'est quelqu'un de réel, donc pas d'œuvre fictive. Là-dedans, nous a demandé Jennifer. Commençons par le lancer de base. Le lancer de base. Tchou! Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Les animations de tir également, elles sont cool. Tu fais vraiment, c'est vraiment des tchou! Avec le lancer de base. Autre question, pendant quand je suis en train de concentrer et de faire ça en même temps, paf! Tac. Est-ce qu'il est vivant ou pas? Non, cette personne n'est plus vivante. On cherche donc quelqu'un de mort. C'est Jack qui nous avait posé cette question. Commençons avec vous deux. Et dernière question, Simon Guitard, est-ce que c'est un homme? Oui, nous cherchons un homme. Voilà, nous cherchons donc un homme mort. Bon courage, il y en a quelques-uns. Je vous rappelle que pour proposer, il faut faire point d'exclamation et votre proposition directement, sans espace. Bonjour Sébastien. Sébastien, très important Sébastien bien sûr. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Pouf Souffle. Merci, professeur Hecat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. Oh, tu l'imagines même pas. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous.
Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Oh oui, madame, j'adore les devoirs. Je suis un Poufsouffle. Très bien. Je peux faire un petit peu plus de révision, s'il vous plaît? Non? S'il vous plaît, allez, donnez-moi des devoirs, s'il vous plaît. Je suis Poufsouffle, non? Bon, très bien, d'accord. On va aller voir Sébastien. Je vous rappelle qu'il faut bien ne pas mettre d'espace pour vos propositions. J'en vois par exemple Charles de Gaulle, c'est pas Charles de Gaulle, mais il y avait des espaces bien. Il faut tout coller. Ce duel était assez incroyable. Pour que le robot vous détecte si vous proposez la bonne personne. Pas facile. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Et non, je t'ai bien éclaté, c'est Palot. Ce qui paraît, Serpentard, ils adorent l'humour, donc je me dis... C'était loin d'être mon premier duel, tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord, mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Mais certainement pas. Moi, la Poufsouffle. Non, ça me semble louche. Clandestin? Je ne sais pas. Les règles existent pour une bonne raison. Oui. Pour cacher des choses aux élèves. Des tas de choses qu'ils ne nous pensent pas. Parce que le jeu vaut le coup de l'acheter, j'hésite encore. Mais bien sûr. Il suffit de voir les notes globalement. C'est bien sûr un méga jeu. Il y a des points faibles. Que ce soit pour. Il y a des points faibles qu'il faut mentionner. Mais ça reste un méga méga titre, bien sûr. À fond la caisse, hein, let's go. Encore plus si t'es fan d'Harry Potter, hein, faut pas hésiter. Pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. Certainement pas. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Ça marche, chef. Hop. Très bien, on va continuer l'histoire principale jusqu'à avoir le balai. On va essayer d'avoir le balai assez rapidement. Ça doit peut-être pouvoir se faire pour le live, mais peut-être un peu juste, hein. Là, c'est une des zones qui est vraiment belle dans le château parce qu'il y a des reflets. C'est toujours beau quand il y a des reflets. Hein. J'ai vu une comparaison entre le jeu PS5 notamment et le jeu qui tourne sur une RTX de fou furieux. C'est encore un autre level sur PC. Pour ceux qui ont des méga cartes graphiques, vous allez vous faire plaisir. Et notamment sur les miroirs. Il y a plein de miroirs dans le jeu. Forcément, sur les consoles, même next-gen, les reflets sont un peu légers. Toujours mieux que sur Cyberpunk, mais légers quand même. Alors que sur PC, ça booste complètement les reflets de partout. Les armures dans le jeu, c'est absolument incroyable. Ça bouge de partout, ça vous salue. Des fois, il y en a qui se bastonnent, tu vois. T'arrives au milieu des coups. Bon, il y a des fantômes qui passent aussi. Si vous avez vu l'effet Harry Potter, c'est incroyable. Tu vas arriver dans un couloir, tu seras tranquille. Puis d'un coup, t'as des armures qui ont décidé de se taper dessus. Donc hop, elles vont se mettre au milieu du couloir. Puis elles vont se mettre des gros coups d'épée, de hache. C'est absolument fou. Pareil, les tableaux qui bougent de partout, c'est incroyable. C'est incroyable. Le niveau de détail, d'animation partout dans le château, c'est fou. Dans les chiottes aussi, boum. Voilà, parce qu'il y a toujours des trucs dans les chiottes. Voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Hein ? Bah bravo ! Normalement, on peut tirer les chasses à occuper. Hop. On peut pas tirer la chasse ? Si, normalement, on peut tirer la chasse. Ah ! QTE. Un arrêt très important. Voilà. Hop, c'est au ça qu'on voit les réalismes d'un jeu un peu. Hop, petit coffre, hop. Allons faire la mission. Parce que déjà, je suis déjà en train de vouloir partir partout. On va se concentrer. Tu refais toute l'aventure. On recommence le jeu sur PlayStation 5, ouais. Est-ce qu'on refera tout? Ça, c'est une question que je me pose. Autre cours avec un professeur dont, des fois, le doublage est un peu... mitigé. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Pas mettre pause sur les cinématiques. Parce que ça, c'est un truc qui m'a perturbé et que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on a des personnages secondaires dans chaque maison, Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle, pas Serdaigle. Pourquoi? Pourquoi pas Serdaigle? Je ne sais pas. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas fait des personnages différents à chaque fois en fonction de la maison, tu vois. J'ai pas envie d'être ami avec une Gryffondor. Je n'en veux pas. Au revoir! Attends, il faut l'écouter, lui. Et la rigueur nécessaire pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer,
Quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. On dirait pas la voix d'un personnage de dessin animé un peu, un personnage Disney, tu vois. Un truc un peu petit, un peu... voilà. Hop, nouveau sort, Axio, très intéressant Axio également. Et même au combat, on se rend pas compte, ça peut être très intéressant pour déplacer les ennemis par-ci par-là. Je disais, ouais, j'aurais bien aimé que les personnages secondaires soient différents en fonction des maisons. Bien, vous apprenez. J'ai pas envie de devenir ami avec une Gryffondor quand je suis Poufsouffle. Enfin si, parce que Poufsouffle, on est ami avec tout le monde. Ok, si j'étais Serpentard, ça me ferait chier d'être ami avec Gryffondor. Franchement. Vous pourriez rivaliser avec Missonaille. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Oh oui! Suivez-moi! Allons découvrir l'open world. C'est pas trop dur de ne pas explorer au début. Si, forcément, tu peux le faire, hein, mais c'est mieux d'attendre, et surtout de bien attendre, hein, parce que là, tu peux te dire, allez, une heure, c'est bon, j'explore. Non, c'est vraiment plus que ça, hein, faut vraiment attendre d'avoir au moins le balai, quoi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise, et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront, Donc, rien... Les joueurs de quoi, vous avez dit? Je connais pas le Quidditch. Pour mettre à l'épreuve jamais vu. Votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Il est à fond. J'ai pas vu les films, je sais pas si ça va me plaire. Très probablement que si tu aimes ce genre de jeu. Cependant, quand même, le jeu a quand même pas vocation à expliquer tout ce qui se passe dans l'univers d'Harry Potter. Ainsi, tu vas profiter du jeu quand même, mais il y a tellement de choses que tu vas pas comprendre vraiment, il y a tellement de références. Tu vas passer à côté, mais c'est pas grave, tu vas kiffer quand même. Mais si t'as vu les films, tu fais « Ah oui, ça là, et puis ça là aussi, ah mais oui, parce que ça... » Voilà, et ça c'est vraiment le plus grand plaisir que tu peux ressentir dans Hogwarts Legacy, c'est de voir vraiment, par rapport aux films, quand tu connais l'univers. Le mieux, c'est quand même de prendre le temps de regarder les films avant. Le mieux de chez mieux. Mais si ça vraiment t'as la flemme, t'as pas envie, c'est pas grave, tu vas kiffer le jeu quand même. Mais, hey, forcément, si t'as Harry Potter dans le sang, Quand même. C'est comme s'il y avait un film, un jeu Seigneur des Anneaux. Tu peux faire un jeu Seigneur des Anneaux sans avoir vu les films. Mais si t'as vu les films, bah quand même, quoi, tu vois. C'est pareil. Ça gêne pas, pareil, avec les jeux stats. Un peu trop gourmand, comme toujours. Comme les jeux Star Wars. Tu peux faire les jeux Star Wars sans avoir vu les films Star Wars, c'est mon cas. Non, faut relâcher pile à la fin de la zone jaune. Mais je relâche un peu trop tard. Hein. Un peu trop tard, mais quel cancre. Je fais honte à ma maison. Juste ici. Mieux. Il y en a, je sais pas, au moins 6 ou 7 des défis comme ça. Ils se déclenchent au fur et à mesure. Ça fait partie des quêtes secondaires. Faut en faire plein. Très bien. Des points pour Poufsouffle. Super. Ça aussi, c'est dommage, les points. Les points de maison, là. On en parle. Ils en parlent de temps en temps. Mais il n'y a pas de points de maison. C'est dommage. Voulez-vous bien défier votre camarade? Montez. Vas-tu faire une vidéo sur les miroirs papillons? Je vais faire par zone, des 100% par zone. Pas seulement sur les miroirs papillons. Il y a tous les miroirs de Poudlard. Préolard, je confonds tout le temps, c'est terrible dans ma tête. De Préolard, c'est déjà dispo avec la vidéo 100% de Préolard. Tous les papillons de Poudlard, c'est demain dans une vidéo 100% de Poudlard. Voilà comment on fait. Allez, on va essayer de faire mieux ce coup-là. Hein. Bon, c'est en ligne droite, ça va. Après, les suivants, ils ont plein de petits obstacles, etc.
peux essayer de la déconcentrer, mais ça marchera pas. Hop, hop, hop. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Un peu gourmand. Non, stop, stop. Ce n'est pas grave. Concentre-toi. Ça va, je suis un pouf souffle. Oh, l'important c'est de participer. L'important c'est de participer. Cependant, et voilà. Je suis un pouf souffle à ascendant serpentard. Ainsi, j'ai quand même en moi un peu de fourberie, j'avoue. Attends, ça suffit pas. Oh merde, le con, ça suffit pas. Mais non, je suis complètement débile. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je sais lancer des sorts, j'ai pas dit que je savais compter. Non, parce que c'est bien marrant là, vos sorts de défense contre les forces du mal, vos cours de potions là. Mais quand c'est qu'on apprend les maths dans ce collège? Hein? Quand c'est qu'on apprend la physique? Jamais, hein? Jamais, donc forcément après. Moi je crois que 50 c'est plus que 60. Et on m'a pas appris! Où sont les cours de maths, mesdames et messieurs? Nulle part! C'est une honte. Et l'art plastique alors? Pensez pas à l'art plastique? C'est pourtant d'une importance capitale l'art plastique. Très bien. Voyons voir. Un truc également, j'ai pas trop vu la question, mais il y en a peut-être qui vont se poser la question. Et c'est vraiment bien fait de leur part. Il y a un truc qui peut-être manquer, selon vous. Encore trop gourmand. Il y a un truc qui peut manquer autour de Poudlard, peut-être. Est-ce que vous avez une idée de quoi ça peut être? Ça, faut être vraiment... Bah, faut être pas forcément fan, ultra fan, mais si vous avez vu les films, notamment, si vous avez fait d'autres jeux, si vous avez lu les livres, il y a peut-être un truc que vous attendiez de voir autour de Poudlard qui n'est pas là. La gare est présente. La gare est présente, c'est pas ça. Ça aurait pu, mais c'est la gare est présente. C'est autre chose, c'est végétal. Est-ce qu'il y en a qui veulent savoir, qui vont essayer de trouver? Ouh, ça va être chaud, ça va être chaud. Ih, c'est pas... N'importe quoi, j'ai voulu... j'ai voulu passer la caisse et du coup je me suis pas arrêté, incroyable. Le saule cogneur, exactement. L'arbre, le saule cogneur n'est pas dans le jeu. Et donc, moi je me suis posé la question. Je me suis dit, bah bordel, il n'y a pas le saule cogneur, ils ont pas mis le saule cogneur, ça il y en a plein qui le trouvent. Eh bien, oui, il n'y a pas le saule cogneur, pourquoi? Parce que le saule cogneur a été planté en 1971 dans l'univers d'Harry Potter. Donc, le jeu se passant en 1900, le saule cogneur n'a pas encore été planté. Il n'est donc pas présent dans le jeu. Bravo, parce qu'ils auraient pu passer à côté de ce détail. C'est quand même la base de maman de connaître les dates de ton univers. Mais c'est tellement un truc que les gens s'attendaient peut-être à voir dans un jeu Harry Potter, le saule pleureur, le saule cogneur, qu'ils auraient pu le mettre quand même, tu vois, pour se dire, allez, ça va, ils veulent le voir, on le met. Non, non, ils ont pensé à vérifier la date de plantation du saule cogneur. Moi, j'ai vu le détail, j'étais... Pas mal, les mecs ils ont bossé quand même. Ils ont bossé. Bien. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon âge. Tu feras une vidéo pour toutes les 4 réveillons dans Poudlard, elle sort demain. Vidéo 100% de tout Poudlard. J'ai intérêt de bosser le montage parce que je dis à tout le monde qu'elle sort demain et si jamais je suis en retard. Tout le monde va être en train de cliquer sur la chaîne YouTube demain. Elle arrive quand la vidéo? Moi je vais être sur le montage comme ça. Le plus long, c'est même... Oh, si, presque, ah, c'est pareil. Mais le pire, c'est qu'une fois que j'ai fait tout le montage, là, de toutes ces milliards de séquences, il faut que je fasse la voix off. Et ça, la voix off, des fois, c'est terriblement long. Long de faire une voix off d'1h30. Je suis comme ça devant mon écran, puis je fais... Et là, aller à gauche. Et puis après, là, il faut aller à droite, etc. Pendant 1h30, c'est long. C'est long. C'est pas dur, mais c'est long. J'ai pris plaisir à... Des fois je dis des conneries, des fois pendant les vidéos 100%, des fois je dis des conneries parce que j'en peux plus. Voilà, donc si jamais vous m'entendez des fois dire des conneries dans une vidéo 100%, c'est parce que je commence à fatiguer.
Est-ce que le Quidditch va être en DLC? On se pose tous la question. On n'a pas d'éléments de réponse. On pense tous que oui. Vu l'attente qu'il y a autour de ce Quidditch, je vois pas comment il ne pourrait pas finir par l'implémenter. Est-ce que ce sera en DLC, en mise à jour gratuite? On ne sait pas. Vous vouliez me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Miss Onaille est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onaille est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Bien sûr, des devoirs, à fond la caisse. Je pense que ce sera DLC payant et un menu contenu supplémentaire. Bah, parce qu'il y a déjà des contenus annexes DLC qui sont inclus dans la version Deluxe, mais que tu peux acheter plus tard, notamment le fameux pack Magie Noire. Donc effectivement, il y a déjà une porte d'entrée vers les DLC. Donc, c'est pas dit que ça finisse pas par arriver. Est-ce que Warner est si avide d'argent qu'il ferait le Quidditch en DLC? C'est possible. C'est possible. Le maniement du balai ne t'a pas perturbé avec les deux sticks? C'est vrai que des fois c'est un peu chaotique. C'est pas toujours évident, mais enfin ça va, c'est pas si terrible. Il y a combien d'ailleurs le pack Magie Noire? J'ai même pas regardé, il doit être à 15 ou 20 balles je pense. La différence entre l'édition standard et l'édition Deluxe. Voilà, donc là on arrive vraiment sur les trucs moi qui me font le plus plaisir dans le château, c'est vraiment tous les objets, t'as tous les petits trucs en détail, là tu peux foutre le bordel dans les livres, etc. Là, moi j'aime bien tout péter dans les jeux. J'aime bien tout péter pour voir ce qui peut tomber, ce qui peut bouger. Et c'est partout pareil, comme ça. Ça bouge de partout, c'est trop bien. Mais le nombre d'heures que les mecs ont dû passer pour animer des objets dans ce jeu, ça a dû être effarant. Effarant. Tout bouge, tout a des animations. C'est dingue. C'est dingue. Bon, comme je l'ai dit dans mon test, le niveau de détail est moins impressionnant dans la nature et dans l'open world. Mais dans le château... Le bureau de Fig là, vous rendez compte? Le bureau de Fig, tout ce qu'il y a là partout. Waouh! Moi ça m'impressionne. Je vous jure, moi ça me. Ouais, Fig, ouais. Joli petit cornet de glace. Hop, au revoir. C'est pas moi, je suis un pouf souffle, je devrais pas casser les trucs comme ça. Il faut pas, je devrais réparer, je devrais passer le balai et nettoyer les carreaux. C'est ça que je devrais faire en tant que pouf souffle. J'ai pas compris quelle maison j'étais, moi, encore. Hein. C'est terrible. Hein. Faut tout péter et tout réparer ensuite. J'ai pas encore le sort réparo, mais effectivement, ça viendra. La liste des sorts est ici, pour ceux qui se demandent. Il n'y a pas une liste infinie de sorts, mais quand même, ça suffit. Il y a de quoi faire. Les graphismes sont mieux que sur Xbox S. Non, ils sont exactement les mêmes. C'est sur la fluidité que ça change beaucoup. Il y a... un peu plus de ralentissement sur la série S, mais sinon en termes de reflets d'ombre, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Y a-t-il l'échiquier géant? Non, il n'y a pas d'échiquier géant, ça aurait pu être bien, on est d'accord, mais c'est pas le cas. Allez, essayons d'avancer un petit peu dans l'émission principale encore une fois, on va aller revoir la professeure Weasley pour un peu de métamorphose. La musique aussi, dans le château. Parce qu'il y a des connards de violon qui s'amusent à jouer tout seul, tu vois. Ah, on peut pas les arrêter, c'est des violons magiques hein, quand même. Il y a des trucs de partout. Un potentiel de papillonnage effarant, ce jeu. Effarant. Partout. Oh, mes examens. Tac, la petite zone extérieure, bien sympathique. Voilà, donc par exemple, là, il y a une page de sorcier, vous voyez, et ça, faut en récupérer 150 dans le château, et une centaine en dehors du château aussi, il y en a partout. Et après, au lard, il y en a beaucoup. Coucou les minous! Ah oui, il y a des chats, il y a aussi des animaux normaux. «
Oui, c'est bien, chaton. À la fin du live, on pourra aller voir ma partie un peu plus avancée si jamais ça, ça intéresse des gens. Sans spoil, parce que j'ai déjà fini l'histoire, donc on verra pas de trucs importants. Oh oui, chic. Et surtout, j'aimerais vous montrer la salle sur demande de façon un peu plus avancée pour montrer les animaux et aussi pour montrer un peu la décoration une fois qu'on a récupéré plus de choses. Oh, excusez, chic. Au revoir, chic. Ça aussi, les phases de téléportation là où ça fait comme ça là. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé, ai-je tort? Je suis une pauvre souffle. Je vous dis la vérité, madame. Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela? Et Lumos? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Ça me fait plaisir. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Ah ça. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt. Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite, pour prendre vos marques. Il y a plein de dialogues secondaires aussi pour avoir des dialogues secondaires, justement. Vous pouvez les faire ou ne pas les faire, ça change pas grand-chose. Et pour ceux qui veulent creuser les discussions, etc. On va pas prendre Sébastien, c'est un serpentard, et j'aime pas traîner avec serpentards, ils me font peur. J'aimerais y aller avec Nati. Oui. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées, et elle connaît bien la région. Elle sera. Est-ce que tu pourras bientôt nous montrer la quête annexe? Ouais, dès que je suis dehors, je te montre où c'est que moi, elle était, la dernière, parce que ça se trouve, ce sera pas la même que toi, bien sûr. Mais pour avoir bien exploré la carte, le seul endroit que j'avais pas exploré, c'était où il manquait une petite quête à propos d'un puits. Est-ce que tu as déjà fait une quête à propos d'un puits? Si c'est pas le cas, t'auras peut-être la même que moi qui sera la dernière. Votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Mais de toute façon, pour les quêtes, je vous ferai bientôt un guide complet de toutes les quêtes sur le site. Pas en vidéo, parce que ce serait long et chiant pour pas grand-chose. Alors que sur le site, je vais bientôt faire une liste complète de toutes les quêtes secondaires avec l'emplacement où vous pouvez démarrer les quêtes. Comme ça, vous pourrez aller à emplacement 1, emplacement 2, emplacement 3, etc. etc., etc. Et je mettrai les vidéos Solus des quêtes secondaires dont on y a besoin. Sur les 50 quêtes secondaires dispo, il y en a 52, je crois, en tout. Il y en a une dizaine où il y a vraiment besoin d'aide. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait peut-être réussir à sortir du château dès maintenant, donc je vais pouvoir te montrer. Ah, vous voilà. C'est possible de louper des quêtes. Non, elles sont toutes disponibles après la fin du jeu encore, donc il n'y a pas de souci. Hop, on va mettre un petit point vers la sortie. Je peux peut-être pas sortir encore. Non, attends, je vais attendre, je vais avancer, on va aller jusqu'à Préolard et après je montrerai ça. Allez, merci. Toc. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? Alors, du coup, on va passer les dialogues un peu parce qu'on va essayer d'avancer. Pour avoir le balai, j'aimerais bien avoir le balai sur ce live, et c'est pas tout de suite, même si ça va arriver, mais quand même. Ok, donc premier devoir, hop, récupérer la page volante. C'est bien le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Oh, elle est par là, elle arrive, hop là. Viens là, hop. Et voilà. Il doit y avoir une page volante. Il y a plus de quêtes, le trophée, il n'y en a que 47. Il y a peut-être des quêtes qui sont en deux fois, tu vois, quêtes partie 1, partie 2 et qui comptent pour 1 pour les trophées. Mais je crois que j'en ai compté 52. Peut-être que je me suis trompé sur le compte et qu'il y en a 47. Hein. En tout cas, une cinquantaine, quoi. Contrairement à... Il y avait des fuites qui parlaient d'une centaine de quêtes secondaires, c'est 52. C'est quand même suffisant. Mais pas, c'est bon, ça suffit. En vrai, elles sont bien, les quêtes secondaires. Elles sont bien. Il y a de tout, hein. Il y a forcément aller ramasser des trucs vite fait, mais aussi des vraies belles quêtes.
Réparo. On va pouvoir réparer des trucs, cool. Tac, et notamment des statues. J'espérais qu'il y avait plus de statues à réparer comme ça. Alors, au final, non. Les statues dans le château, elles sont soit avec des sorts Leviosos, soit avec des sorts de flammes. Il n'y a pas beaucoup de réparo. Ça aurait été bien d'en mettre un peu plus. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Ça marche, Michel. Tu pensais quoi la meilleure association de sorts? Alors, la meilleure association de sorts, c'est déjà des sorts de magie noire. J'en ai parlé dans une vidéo qui est sortie avant-hier. Mais il y a une autre association de sorts classique qui est intéressante et dont je parle demain dans une vidéo dédiée sur des combos justement intéressantes. Donc allez voir la quête qui sort demain, la vidéo qui sort. Je vais y arriver, hein, c'est compliqué. Bah, on commence à être fatigué, donc les mots et tout ça, ça sera pas forcément toujours dans le bon ordre, mais c'est pas très grave. La vidéo qui sort demain 18h15, allez la voir, vous allez apprendre pas mal de choses sur les combats. Hop là. Salut. Allez, on va faire les magasins, c'est parti. Nati. J'aurais bien aimé que je sois quand même avec un Poufsouffle, moi, mais bon. Comme ça. Tu dors en ce moment très peu. Ah, le monde extérieur de Poudlard. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Bière au beurre, mais on est au lycée, enfin. C'est pas le moment. Un peu de sérieux. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable. La fameuse arène de Quidditch, qui ne sert du coup pas à grand chose, mais franchement. Je n'aurais jamais dû choisir cette option. Vu la taille de cette arène, sérieusement, ils peuvent pas la laisser vide comme ça. Non, non. C'est sûr qu'il arrivera le Quidditch. C'est sûr. Créolar est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère. Pareil, on a des petits arrosoirs qui s'amusent. C'est ça ? Oh, au revoir. Le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Ah, ça, il y a un premier kiff où vraiment je me suis fait. Mais attends, mais on est à l'entrée de Poudlard en fait. On la voit pas dans les films, l'entrée comme ça à pied. On voit toujours le château de loin. On arrive directement dans le château, mais on voit pas l'entrée du lycée, tu vois. Et c'est là que tu te mets en immersion, tu te fais... Attends, imagine vraiment là, c'est moi, je suis un sorcier. Et tu vois, ma maman, mon papa ou le bus scolaire m'a déposé à l'arrêt de bus, tu vois. Et hop, je vais au lycée, tu vois. Et hop, hop, là je suis dedans. Et là je rentre à Poudlard, je vais aller faire mon cours de magie, tu vois. Et là c'est le kiff. Là c'est le kiff quand t'as vu les films. Parce qu'il y a plein d'endroits que t'as jamais vu, tu vois. Que t'as pu imaginer si jamais t'avais un peu d'imagination, que t'as lu les livres. Mais les films ne montrent pas tout forcément, tu vois. Hein ? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ? Et c'est ça qui est vraiment incroyable. C'est vraiment d'avoir pu développer l'imaginaire autour du lore, hein, tout simplement, des livres. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Non, mais les hiboux arrivent directement dans les bureaux. Il n'y a pas de boîte aux lettres, bien sûr. Attends. Oh, c'est vachement moldu comme truc, les boîtes aux lettres. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas du tout, coucou les hippogriffes, pour ceux qui n'ont pas du tout les termes, Moldu c'est ceux qui ne sont pas sorciers dans l'univers Harry Potter, ceux qui ne sont pas capables d'utiliser la magie, ce sont les Moldus. Voilà. Il n'y a que les Moldus qui utilisent des boîtes aux lettres, nous on utilise des hiboux. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Comment on fait les exploits de duel ? Quand tu seras en combat, en bas à droite de l'écran, là, au-dessus de la tête du petit chat sur le live, t'auras un texte qui va se marquer. C'est une action à faire, il y en a plein de différentes, en fait. Donc ça peut être utiliser un sort explosif pour tuer un tel ennemi de telle façon, etc. Il faut que tu réussisses l'action, c'est différent pour chaque combat, c'est aléatoire. Ok, donc là on va être sur un endroit où des fois vous allez peut-être pouvoir voir des bugs un peu moins simples, un peu visuels ou un truc comme ça. C'est pas encore tout propre, tout réglé, hein, globalement. Tu connaissais bien les environs.
Comme tu vois, les chevaux, ils sont pas d'une texture terriblement détaillée, tu vois. Bon, ça va, hein. Mais la nature est quand même vachement moins impressionnante que le château à certains endroits. Mais ça empêche pas de profiter du jeu. Mais je peux quand même pas m'empêcher de dire que si ça avait été une exclue next-gen 100%, ils auraient pu booster le truc à fond et ça aurait été monstrueux, tu vois. Je dis ça parce que là, bon, ça va, mais il suffit que tu tournes la tête et tu vois ça, tu vois. Bon, voilà. Et donc, ça là, tu fermes ta gueule, tu fais ok, non, c'est bien, c'est un bon jeu, tu vois. Voilà. Mais si tu regardes bien, des fois les textures chargent pas très bien, c'est pas hyper détaillé. Il y a un micro retard technique à certains moments. Est-ce qu'on peut avoir un animal de compagnie? Alors tu peux avoir une animalerie complète pour élever des animaux, mais tu peux pas avoir un animal qui te suit, si c'est la question. Si, une mandragore, ça compte. Est-ce que ça compte, une mandragore? Pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Coucou les chatons. Je dirais que Poudlard c'est un peu chez moi. On va te caresser parce que l'animation de caresse est beaucoup trop longue. Mais le cœur y est. Au revoir. D'ailleurs, en parlant d'animal, est-ce qu'ils sont déjà apparus ou faut avoir le tuto forcément? Ils sont là! C'est du boursouf! Oh non, non, on est dans une mission, on pourra pas aller voir les boursoufs. Si, peut-être. Peut-être. Amène le boursouf. Action le boursouf. Oh oui, ils arrivent! Oh, ils sont trop intelligents! Oui, merci les gars! Trop bien! Les boursoufs, ce sont des petites bouboules de poils absolument incroyables. Et souvent, dans cet endroit-là, il y en a un qui se pose ici sur le tronc. Quand vous les faites fuir, c'est le jeu. Ils ont fait exprès parce qu'à chaque fois, ça m'a fait ça. À chaque fois que je suis venu ici pour essayer d'en capturer, parce que c'est une zone de farm d'argent. C'est une des seules techniques qui existent pour farmer de l'argent rapidement, c'est de capturer des boursoufs et de les vendre. Parce que c'est hyper rapide et ça ramène pas énormément d'argent, mais au final, sur la quantité, tu peux vite avoir ce qu'il faut. Et dans cette zone, normalement, il y a un boursouf, il vient se poser ici sur le petit tronc. Il se cache dans les arbres parfois. C'est-à-dire que tu cherches des boursoufs au sol, etc. Et tu lèves la tête, et ben non, t'as un boursouf qui est monté sur la branche. C'est absolument incroyable. J'aimerais bien vous le montrer, mais malheureusement, je vais pas pouvoir aller très loin. J'aimerais bien en ramener un là. C'est pas en ramener un là? Amène-toi! Voilà! Le pauvre. Oh non, le pauvre. Voilà! Stop! Les diosos! Stop! Enfin. Stop! Viens là! Bon, on s'occupera des boursoufs plus tard. Hein? Voilà, très bien. Mais trop mignon les boursoufs. Et on peut faire des petits boursoufs. On peut faire des bébés boursoufs. On peut faire des bébés boursoufs. Il pique une boule de poil comme ça là, tu tombes. Pardon, bonjour monsieur. Notre nouvelle recrue de 5e année. Combat boursouf VF Tweetui, qui c'est qui gagne? Oh, Tweetui quand même. Ah, Tweetui quand même, faut pas déconner. Tweetui, c'est les petits bonhommes, c'est les rods d'Ankena si jamais. On appelle ça des Tweetui ici. Parce que bon. Faut pas oublier, Snir, c'est pas un triple A le jeu. C'est pas un triple A Hogwarts Legacy? Qu'est-ce que t'entends par triple A alors? Tu veux voir le budget d'Hogwarts Legacy? Combien de dizaines de millions il y a sur Hogwarts Legacy? C'est un triple A Hogwarts Legacy, bien sûr que si. Bien sûr que si. Parce que si Hogwarts Legacy c'est pas un triple A, il y a quand même pas beaucoup de triple A dans le monde. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement après Préolard. Je serai ravi. On appelle ça du boursoufage, un peu peut-être, oui. On va arriver à Préolard, ça aussi c'est un beau rêve de fan d'Harry Potter de voir le village de Préolard. Je m'en souviens. Je ne vous ai pas caché dans mon test ma petite déception sur le niveau de détail extérieur de Préolard, le niveau intérieur des boutiques, et à se taper la tête contre les murs tellement c'est bien. Mais extérieur, est un peu vide, un peu vide. Mais encore une fois, là, je pousse. Je pousse le bouchon de l'exigence un peu loin. Bien sûr que si, c'est un triple A. Bah, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est des dizaines de millions de budget à Hogwarts Legacy, c'est un triple A. De prendre des recettes de potions, des créasors, des graines, et puis une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien. Tac. 3 nouveaux indices à 400 pouces bleus. Oui, si on arrive à taper les 400 pouces bleus, c'est 3 nouveaux indices effectivement. C'est rare les 400 pouces bleus, il faut en profiter. Hein. Donc World Legacy, hein, font la caisse. Hein. Tac. Allez, nous voilà Poudlard, après Préolard. Je confonds toujours dans ma tête, c'est terrifiant. Je vous propose qu'on explore les différentes boutiques parce que c'est absolument incroyable. Alors, on va avoir ici Tome et Parchemin. Tome et Parchemin qui est la boutique qui vous coûtera très cher, globalement.
qui vous permet d'acheter notamment des plans pour votre salle sur demande. J'en ai parlé dans plein de vidéos astuces. Et l'aviez-vous remarqué, il y a une cachette, un passage, un petit endroit secret dans la boutique. Qui l'a remarqué ici? Qui l'a remarqué? Si vous l'avez remarqué, levez la main et dites-nous où. Sinon, je vais vous montrer. Allez voir la vidéo 100% de Préolar si jamais. Mais encore une fois, regardez le niveau de détail des boutiques. Il y a des livres de partout, il y a des trucs de partout. C'est incroyable. Là, on a les fameux coffres à œil. On peut pas les ouvrir pour l'instant. On va piquer la caisse quand même. Est-ce qu'on peut faire une partie plus? Non, il n'y a pas de New Game Plus pour l'instant. Derrière le gars, il y a une pièce. C'est pas de cette pièce dont je veux parler. C'est un autre endroit secret. Derrière le comptoir. Non, c'est pas ça. Faut activer le coffre sur le bureau. Non plus. L'escalier. Ah, un kill là, effectivement. Eh bien, dans cet endroit, il y a un espèce de petit livre là. Enfin, un gros livre. Vous interagissez avec. Et hop. Mais c'est trop cool, bordel! Bon, ça mène pas à grand chose. Hein. Ça mène pas à grand chose. C'est juste un petit endroit avec une page cachée. On la récupère. Voilà, hop. Mais. Et quand même. Il y en a pas tous les endroits des comme ça. Mais celui-là, il était cool en vrai. Au revoir le petit livre. C'est trop bien. Mais c'est trop. Mais là, vous vous rendez compte que là, il y a un mec qui a passé 2 heures. Pas 2 heures, ils sont beaucoup plus forts que ça, les mecs. Mais quelques minutes de sa vie à faire les animations de ça, là. Voilà. Et ça, cette animation, elle est nulle part autre part. Et tu vas à côté, il y en a une autre. Et tu vas à côté, il y en a une autre. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir mis autant d'animations différentes sur tous les objets de ce jeu. C'est impressionnant. Avalanche Software, c'est un studio, je crois qu'ils sont 180. Donc c'est un gros studio déjà, hein. Ça fait partie des plus gros studios dans le monde. Hein. Un studio de 180 personnes, dans le jeu vidéo, il n'y en a pas beaucoup. Mais sur 180 personnes, combien étaient sur l'animation des objets? J'aimerais savoir combien il y a d'animateurs. Faudra peut-être aller regarder sur le générique du jeu. Générique du jeu qui se débloque particulièrement tard, parce qu'il faut aller atteindre quasiment le level max pour avoir le vrai générique du jeu. Et j'ai pas pensé à regarder, mais je pense qu'il doit être un sacré paquet quand même. Deuxième boutique, alors celle-ci elle est pas très importante. C'est plus pour de l'équipement, de chaudrons, etc. Mais vous n'avez pas besoin d'en acheter pour vous. Ouais, mais encore une fois, il y a des chaudrons de partout. Voilà. Bon, il n'y a pas de machine à café. Hein. Je pose la question. Mais j'ai bien compris que c'était pas votre truc dans ce monde. Hein. J'ai bien compris. Hop, du coup, je te pique toute ta caisse. Rien à faire. Hop. On se casse. Ah oui, pour la quête, pardon. Donc la fameuse quête dont je vous parlais... pour ceux qui n'ont pas vu la carte du monde, c'est assez grand. Il y a toute une région nord et toute une région sud qui se débloque un peu plus tard. Et donc la dernière quête que j'avais, elle était, je crois, tout dans le petit creux, ici là. Ici, si je dis pas de conneries. Donc vraiment sur la droite de Poudlard, et tu longes vraiment le bord de la montagne là, ici. Par là, là. Ou peut-être dans cette zone, non je crois pas dans cette zone là, ici. Vraiment juste ici. Et donc il y a un puits là je crois. Dans mon souvenir c'est là, en tout cas, vraiment tu longes... les zones, et en tout cas ma dernière quête secondaire elle était là, peut-être que tu l'as déjà eue, mais si t'as jamais parlé avec un puits, oui c'est possible, on peut parler avec à peu près tout dans le jeu hein, normalement, si t'as jamais parlé avec un puits, et ben c'est peut-être que ta dernière quête secondaire est ici. Tac. Alors avançons dans notre exploration de Préolar. Alors là on a The Best End. Tu as fait une vidéo dessus, tout à fait, et donc si tu l'as déjà fait, ça veut dire qu'il y en a une autre quelque part. Fouille bien encore toutes les petites zones que t'as pas regardées. Merci Welsh, j'ai découvert la chambre des secrets. Il y a toutes les pièces des films. Il y a la piscine de secrète des professeurs, etc. C'est incroyable. On ira chez Ollivander un peu après si jamais vous êtes fan du jeu Petit Chat, bien sûr. Si vous êtes fan de l'univers d'Harry Potter, des films Harry Potter, la scène d'Ollivander, c'est juste le kiff absolu. Ici, on a le sport Beau Ballet qui n'est pas encore ouvert, qui permettra d'acheter le ballet justement. Plus tard. Là, on a le bar qui est pas très intéressant. Je sais même pas s'ils en parlent dans les films du bar Les Trois Balais. Si, je pense quand même. Ici, on a la boutique de Farce et Attrape. On va y rentrer tout de suite. Hop. Bonjour messieurs. Regardez l'animation des paquets cadeaux là. Voilà. Bon, et ben ça, il y a quelqu'un qui s'est amusé à le faire. Bon, c'est pas grand chose. Mais quand même. Il y a des trucs de partout. Il y a que moi que ça impressionne ou pas, mais... Oh, il est mignon, lui. Je peux avoir un ballon. Je peux avoir un ballon hélium, s'il vous plaît. Non, je peux pas, hein. Je peux pas, je suis grand maintenant. Bah, c'est fini, ça.
Rien. Il en parle, il y a de la bière au beurre. Quand il y a la bière au beurre. Oui, il parle de la bière au beurre, mais est-ce qu'il parle des trois balais précisément? Genre du bar, les trois balais. Peut-être, hein. Peut-être. Mais il n'y a pas, par exemple, le fameux chaudron baveur qui est plus connu dans l'univers Harry Potter, notamment. Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas au même endroit, le chaudron baveur. Ici, nous avons un magasin de potions. Lui aussi, ça vous coûtera très cher, le magasin de potions, parce qu'il faut acheter des recettes. N'achetez pas de potions dans le jeu, hein. Surtout pas. Achetez les recettes. Hop, une petite page, on va pas la prendre tout de suite. Franchement, vous pouvez passer une heure à essayer de regarder tous les petits trucs. Il y a toutes les petites bouteilles, là. On dirait un musée d'apothicaire. C'est incroyable. Bonjour, monsieur. Alors, lui, je crois qu'il fallait que j'achète des trucs, hein, de toute façon. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens après Olar. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez je n'ai vu les films, si. Harry Potter, ça fait partie des rares films que j'ai vus et que j'ai revus et que j'ai re-revus. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer... Bon, ça fait un moment que je les ai pas revus, mais quand même. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont... Allez, filme-moi tes potions, s'il te plaît. Est-ce que tu as lu les livres? Non, par contre, j'ai pas lu les livres. Je suis pas un grand lecteur de romans d'univers fictif. Donc non. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas lu aujourd'hui. Ok, donc ça c'était le magasin de potions. On a donc Ollivander, on le fera après. Le navet magique, on va aller au navet magique. Hop. T'as vu les animaux fantastiques? Un seul. Un seul, le premier. Ah non! Ah non, j'ai... Il y en a eu deux, hein. Non, il y en a eu un troisième. Attends, j'ai vu le dernier. J'ai vu le dernier qui est sorti il y a pas longtemps. Je crois que j'ai vu le 2 et le 3 et j'ai pas vu le 1. Je sais plus. En tout cas, j'en ai vu quelques-uns. Je connais Norbert. Et je connais le Nifleur. Et d'ailleurs, j'étais très déçu de pas avoir un beau truc dans le jeu. En termes d'animaux. Bonjour. Parce qu'il y a des Nifleurs, pourquoi il n'y a pas beau truc? Je ne sais pas. Je suis déçu. Hop. Des carottes, des navets, tout ça. Alors lui, on peut pas rentrer chez lui. Par contre, il y a des citrouilles. Et les citrouilles? Ah, pas celle-là. D'habitude, on peut tout péter au niveau des citrouilles. Ah, pas chez lui. Ah, non, pas chez lui. Oh, oh, des poules! Heureusement, elles sont invincibles. Par contre, est-ce que ça vole des poules? Oui, ça vole des poules! Hop, on répare la poule. Impeccable. Tac, excusez-moi, madame. Côte-côte. Vous avez bien raison. Excusez-moi. Je peux pas ouvrir certaines portes, ça me dit que je vais être niveau 1, 2 ou 3, c'est quoi? Eh ben, faut aller voir les vidéos astuces de Snir. Qui fait des belles vidéos, qui t'explique tout ce qu'il y a à savoir dans le jeu, que le jeu n'explique pas, etc. Et c'est quand ça fait... Et donc tu connectes ton compte sur les vidéos de Snir et ça débloque automatiquement les portes. C'est normal que sur God of War, sur les pierres tombales. Je quoi? Je sue sur les pierres tombales. Ah, tu galères quoi. Oui, c'est normal. C'est pas facile. Je ne serai plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictam. S'il vous plaît, monsieur. Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose. Bah ça, c'est gratuit. Moi, j'aime bien, c'est gratuit. Le reste, on verra plus tard. Hein. Que vous trouverez des ingrédients. Au revoir, monsieur. Ok, tomber parchemin. Ah, il fallait que j'achète tomber parchemin, mais j'y suis déjà allé. Dommage, j'avais pas vu qu'il fallait que j'achète un truc. Hop, on y retourne. Tac, tu as fini le jeu la première fois avec quelle maison? Avec Gryffondor. Parce que bah, j'ai suivi ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire que j'aurais bien voulu prendre Serpentard quand même, parce que faut pas déconner. Mais j'avais pas envie d'avoir la grisance de la salle commune de Serpentard. Donc je suis allé sur Gryffondor parce que c'était la deuxième maison la plus choisie, et puis au moins c'était joyeux. Après avoir fait la deuxième partie avec Serpentard, je me suis dit qu'en fait j'aurais pu choisir Serpentard du premier coup. Mais bon, je ne regrette pas quand même. Excusez-moi, je suis là pour... J'ai bien peur que...
Hop, filez-moi votre plan, monsieur. Regardons un peu ce que nous avons. Plein de trucs très intéressants à acheter chez lui pour votre salle sur demande, majoritairement seulement d'ailleurs. Si ça vous intéresse. Tout n'est pas utile, mais il y a certains trucs très intéressants. J'en ai parlé notamment aujourd'hui, les marmites sauteuses qui vous permettent d'avoir des potions gratuitement et en infini. La marmite sauteuse, si vous galérez à crafter des potions, c'est le bon achat. Allez voir la vidéo qui est sortie aujourd'hui à 17h30. Ok, bon allez c'est parti, on y va maintenant sur la scène absolument dingue si vous êtes fan des films et pas que, Ollivander. Mais avant on va faire le tirage au sort de 22h parce qu'il va bientôt être 22h. Comme ça, après on se lance dans l'une des étapes les plus importantes de votre vie de sorcier, mesdames et messieurs, autrement appelée la baguette. C'est parti, vous pouvez mettre point d'exclamation TAS pour participer au deuxième tirage au sort de la soirée. Quelqu'un sera tiré au sort dans un instant pour 15 points café supplémentaires, donc n'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Ça ne sert à rien de participer plusieurs fois, vous n'avez pas plus de chance, mais pensez à le faire quand même, un petit jingle, et on y va. 20h-23h, tous les dimanches, avec Sneer. Olé ! Bien entendu, les lives, c'est tous les dimanches de 20h à 23h. Je ne sais pas ce qu'on fera dimanche prochain, on sera très probablement encore sur Hogwarts Legacy. Est-ce qu'on continuera cette partie ? Est-ce qu'on fera autre chose? L'avenir nous le dira. Allez, pendant que je vous laisse participer, on tire au sort dès qu'on a terminé la séquence avec Ollivander, mais c'est gros kiff. Hein. Et la musique aussi. Et la musique. Non, attends, on n'a pas visité toutes les boutiques. J'ai envie d'aller visiter toutes les boutiques avant. Je vous laisse participer et si elles sont ouvertes, parce que ça se trouve, elles sont pas encore ouvertes. Et on ira faire... Ollivander vraiment à la fin. Petite boutique de prêt-à-porter, là. Hop. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Hop. Petit café. Non, c'est pas du thé. C'est pas du thé. Je vois pas de quoi vous parlez. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas vu tailleur. Voilà, c'est ça quand je disais que les reflets sur les versions même next-gen sont sympas. Bon, c'est des reflets. Ça compte. Ça reflète. Ça compte. Mais sur PC, avec une méga carte graphique de fou furieux, c'est le vrai reflet du jeu. C'est vraiment impressionnant la différence qu'il y a entre une carte graphique à 1000 balles et une console à 500, quoi. On comprend tout de suite le truc. Donc effectivement, pour ceux qui sont sur PC, vous allez vraiment adorer. Ici, on a enfin, doucement avec les... Hein ? Qui c'est qui tape ? Ici, vous avez une lune de demi-guise. Voilà, donc à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ont fait la quête ou qui ont débloqué la quête, le guide complet des demi-guises est disponible. C'est la première chose que vous devez faire quand vous avez débloqué la quête, c'est faire que ça. Débloquer les 30 demi-guises, c'est ces statues qui vous permettent d'ouvrir les cadenas de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Enfin, surtout de niveau 2 et de niveau 3. Demi-guises. Mais il faut avoir débloqué la quête avant, ça arrive assez rapidement. Très important. Ah, c'est toi qui faisais le bordel. Ok, très bien. Hop. Ok, ici on a un magasin de plumes, je crois. Pas très intéressant non plus. Enfin, d'équipement pour écrire, quoi. Mais il y a plein de chats, je crois, dans le magasin. Genre là, ouais. Miaou, miaou. Très bien, très bien. Un peu vite, votre magasin, madame. On reviendra plus tard. Hop. Ok, là, on a le magasin... Non, c'est pas un magasin de hibou, c'est la poste. C'est carrément la poste. Attends, il y avait un autre truc ici. Ça, je crois que c'est le coiffeur. Non, c'est plus... C'est quoi, ça? Ah non, c'est encore le... Pardon, c'est une autre porte du truc. Il y a un coiffeur aussi. On pourra aller voir le coiffeur après. Là, c'est la poste. Voilà, si tu veux recevoir un colis, colissimo, hibou, tout ça. Impeccable, bonjour madame. On peut pas parler à tout le monde. Il y a plein de, marchands qui sont là pour le fun, c'est cool. Mais c'est vrai que s'ils avaient une utilité tous, ça aurait été bien. Ok. Ensuite, on a ici un petit salon de thé. Ah oui, aussi. Oh, je voulais pas montrer depuis le début, mais on peut bouffer tout le temps dans le jeu. Mais vraiment, il y a des trucs à bouffer de partout. Il y a des cacahuètes, tu pioches, tu bouffes des gâteaux. C'est n'importe quoi. C'est gratuit, partout à fond la caisse. Très bien. Vous n'avez pas un peu de café? Non, c'est que du thé chez vous. Hein. C'est terrible. Vous savez que je vais finir par foutre le feu dans votre maison. Hein. Regardez ça, là. Regardez tout ça, toutes ces tasses gâchées, là. Et je vais revenir avec Avada Kedavra, ça va moins rigoler. Je vous dis que ça va changer de nom ici. Hein. Et vous avez l'air malin, vous, là. Voilà, lâche ta tasse. Lâche ta tasse. Oh, tu veux pas lâcher ta tasse? Lâche.
Ah, je crois qu'il avait lâché sa tasse, mais non, ça devait être un bug. Terrible. Terrible. C'est quoi ce chat? Tu veux parler de Marcus? Mais c'est le chat. C'est pas un chat, c'est le chat. C'est le gardien du café, c'est... Voilà. Et voilà. Bon, on sort d'ici avant d'attraper une maladie. Hop. Et on va aller surtout bouffer des bonbons. Hop. Voilà. Ça aussi, c'est un magasin sympa si vous avez vu les films, parce que le magasin de bonbons de d'Harry Potter, c'est souvent mis en valeur. Voilà, là, on va pouvoir bouffer à fond la caisse. Là. Let's go. Alors, bouffer ne ramène pas de la vie. La vie, ça se fait avec des potions à crafter. Hop, 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 voilà, un petit millefeuille, des petits bonbons, tout ça. Hop, des dragées, machin. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai bouffé encore? Ça va, on en bouffe un autre pour voir? Ah, non, c'est juste des bonbons pour se faire voler. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. T'as pas mis un bonnet à ton perso. Au début, dans ma partie Gryffondor 6, que j'en avais trouvé un, là, j'en ai pas débloqué pour l'instant. Mais on lui remettra un bonnet dès qu'on en a un, bien sûr. Et encore une fois, une animation, là, regardez-moi ça. C'est incroyable, cette histoire. Hop. Ah, le mieux, là, mieux. Ça, on le voit dans les films. C'est Ron qui mange un bonbon éléphant au bout d'un moment. Quand ils sont dans la tour Gryffondor, et puis Harry Potter, lui, il a de la fumée qui sort par les oreilles, qui fait... Pfff. Je me rappelle de cette scène. Je sais pas dans quel film c'est, mais je me rappelle de cette scène. Encore un bout de gâteau, let's go, let's go. Enfin bref, vous l'avez compris, là aussi, le niveau de détail est absolument monstrueux. C'est fou. Il y a un passage secret depuis Poudlard qui vous permet de venir ici directement. Une fois que il est débloqué dans une quête secondaire, et après vous pouvez l'utiliser tout le temps. Ron a le lion. Ah merde, c'est... Ah oui, c'est Neville qui a l'éléphant. Bien vu! Il y en a qui ont une meilleure mémoire que moi. Pas mal, bien joué, bien joué. Bon allez, c'est parti, on va aller faire Ollivander. Let's go. Si je retrouve où il est. Un passage secret dans Poudlard, même plusieurs d'ailleurs. C'est une quête secondaire qui s'appelle un truc sucré, je crois. Un périple sucré, ça doit être ça. Un périple sucré, dès que tu l'as débloqué, tu débloques un passage secret qui t'amène directement dans la boutique de bonbons depuis Poudlard. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On voulait aller chez Ollivander, moi, ici. Ok, donc c'est plus en bas. Ah oui, c'est là. Hop. Allez, c'est parti, on va déjà tirer au sort le gagnant de 22h et il s'agira de... Yanis Dubois, Yanis, tu gagnes 15 points café, bravo à toi, bravo à tous ceux qui ont participé. Hop, et donc troisième chance à 23h, les amis. Tu vas choisir quelle baguette? Eh ben on va voir ça ensemble, c'est le moment. Let's go, bonjour monsieur. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, je... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivanders, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous? Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Forcément, bien, grand classique. Ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare.
35 cm, cœur de dragon. Ça commence à faire long, 35 cm, hein. Faut que je mette après dans ma poche, c'est compliqué, hein. Parce que c'est vrai, on les range où, les baguettes? Genre assis dans une poche de cape à l'intérieur, genre une grande poche. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein? Peut-être que... Ah! Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Ok. Voilà, et donc effectivement, vous allez pouvoir modifier, choisir votre baguette dans le jeu. Attention, c'est définitif. Choisissez bien. Est-ce que ça a une différence, un impact? Non. Aucun. Je vais répondre aux questions qui sont spammées depuis 300 ans. La boutique hantée, j'en sais rien, je joue sur Xbox. T'en es où dans le platine? J'en sais rien, je joue sur Xbox. Et la blague, vous êtes beaucoup à vouloir la blague. On va donc faire la blague, comme ça, on va pouvoir continuer. Les embouts sont sympas aussi, ouais, effectivement, petite innovation. Je sais pas si ça existe, ça, dans l'univers Harry Potter, ou si c'est vraiment une invention totale du jeu, de mettre des manches, des coques de baguettes. Je crois que j'ai jamais entendu parler des coques de baguettes dans l'univers Harry Potter. Donc c'est une petite invention bien sympa. Du coup, effectivement, pour ceux qui n'ont jamais été sur les lives, on a une petite tradition à 22h qui a honteusement été oubliée. Mais là, il fallait qu'on se concentre sur la séquence absolument incroyable pour les fans de l'univers Harry Potter. Le choix de la baguette avec Ollivander, qu'ils ont un peu repris en mode forcément les premières baguettes, ça marche pas très bien. C'est sympa, beau clin d'œil, effectivement. Est-ce que c'est obligé de se passer comme ça à chaque fois? Je ne sais pas. Mais du coup, on s'est concentré là-dessus. Sinon, donc, sur les lives, à 22h, il y a une petite tradition. C'est la blague, parce qu'on adore l'humour. On adore ça, ici. Et donc, généralement, on demande une blague de qualité supérieure à notre assistant vocal. Mais j'accorde plus les mots. Là, il manque trop de sommeil pour que je puisse accorder quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Et puis, même quand je suis en forme, je n'accorde pas. Le nombre de fautes dans les titres, vous les avez comptés. Les nombres de fautes de prononciation, vous les avez comptés. Et vous continuerez de les compter parce qu'il y en aura encore et encore. On va continuer avec la blague. Bonjour Google, comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous, quoi de neuf? Moi, tout va bien, tout va bien. Raconte-moi une blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement? Parce qu'ils n'ont pas de fiche de paye. De fiches de paye. Dans le même style, dans la même blague. Pourquoi est-ce que les poissons se foutent de tout? Bah parce qu'ils s'en fichent. Etc, etc, etc. Si jamais vous voulez proposer vos blagues, vous pouvez, mais seulement dans l'univers des poissons. Uniquement. Donc vos meilleures blagues pour les poissons, c'est maintenant ou jamais. Pendant ce temps, on va choisir la baguette. Donc je disais, la baguette, effectivement, alors vraiment, ils se sont chauffés parce qu'on va pouvoir vraiment choisir les caractéristiques d'une vraie baguette dans l'univers d'Harry Potter. C'est ça que tu te rends compte que quand même, pour penser à tout ça, faut quand même avoir un gros cerveau. Hein. Eh bien, effectivement, je ne dis pas juste de dire une baguette en bois, non, tu penses au type de bois, au cœur de la baguette, à la flexibilité de la baguette. Et attention, il n'y a pas deux flexibilités, genre comme les brosses à dents, tu vois, souple, médium, dur. Non, on va voir juste après. Et la longueur de la baguette. Donc déjà, on va chercher le style de baguette. On va remonter un petit peu le son. Alors. Étrange. Très étrange. On a surtout la forme ici et après la variante en termes de bois. Alors il y a certainement des baguettes que vous connaissez par cœur. Peut-être certains qui ont d'ailleurs les baguettes en mode collection qui existent. Je crois que l'une des baguettes les plus puissantes, elle a à peu près cette forme. On va pas se priver de faire une baguette cheatée, bien sûr. Pareil, celle-ci aussi est très connue, je crois. Étrange, très étrange. Et ça, c'est peut-être la baguette de Voldemort. Elle est pas comme ça, la baguette de Voldemort. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais prendre... celle-ci. Celle-ci, elle est plutôt bien. Avec le petit truc, c'est un peu ergonomique, tu vois. J'aime bien. On va le prendre dans un bois un peu plus... Non, un peu plus... un peu plus foncé. Voilà, comme ça, c'est bien. Ensuite, hop, en termes de bois, le bois le plus puissant, le plus pété, c'est les baguettes de sureau, généralement. On va donc pas se priver et on va sélectionner du bois de sureau. Mais voilà,
C'est là que vraiment ils sont chauffés, c'est que vraiment ils ont mis 1000 types de bois, tu vois. Ébène, cornouiller, ça doit exister, cyprès, châtaignier, cerisier, cèdre, noyer noir, prunelier, du tremble, du frêne, du pommier bien sûr, de l'aune, de l'acacia, mesdames et messieurs, du bois de charme, du mélèze, de l'érable, du poirier, du pin, du peuplier, du chêne rouge, sans oublier le sorbier et le tilleul argenté. Il y a tout ce dont vous avez besoin chez Ollivander. Profitez de mon code promo, Ollivander10, dans la description bien sûr. C'est le moment, hein, moins 10% sur toutes les baguettes, profitez-en. C'est seulement pendant 24 heures. Il n'y a plus aucune limite. Je voulais le sureau, moi. Voilà, le sureau. Le sureau, c'est OK. La longueur, on le sait bien, on le sait tous. On se pose la question et on se la posera encore. Oui, la taille, ça compte. On prend donc la longueur maximale ici. 36 cm. Je ne sais pas où je vais foutre cette baguette. Je m'en fous. Ensuite, on a donc la flexibilité. On peut choisir à travers tout un tas de flexibilité, mesdames et messieurs, allant de assez souple, en passant bien entendu par bruissante, légèrement souple, malléable, raisonnement malléable, souple, pliable, fragile, difficile, solide, raide, rigide, résistante, légèrement flexible, en allant jusqu'à inébranlable, mesdames et messieurs. Nous allons bien entendu choisir une baguette de 36 cm inébranlable. Je pense que c'est une très bonne décision de ma part. Voilà. Tu vas la mettre à un endroit. Oui, on sait tous où je vais me la mettre, la baguette. On sait tous. 36 cm, ça fait beaucoup. Bref. Et du coup, on a ensuite le cœur de la baguette. Là, il y a moins de choix. Hein. Effectivement, un cœur de dragon, un cœur de licorne ou un cœur de phénix. Les baguettes les plus puissantes, c'est les cœurs de dragon, hein, si je dis pas de conneries, ou les cœurs de licorne. Un cœur de licorne qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette connu pour produire une magie homogène. Pour les phénix, une plume de phénix qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette capable de produire une magie très diverse. Je veux pas une magie diverse, moi je veux une magie puissante. Un cœur de dragon qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette connu pour produire une magie puissante. Bien entendu, 36 cm, très puissant, inébranlable. Les baguettes en cœur de dragon. Impec. Let's go. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. On est sur du bon de qualité ce soir. T'as remarqué, Mathieu aussi? Ah, on est bien. Alors, franchement, on est bon. Qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Ça marche, Olive, comme on l'appelle dans le milieu. Hop, je te pique la caisse avant de partir, bien sûr. Bon, 50 balles. Hop. J'ai tout ce qu'il me faut. Et ben je voilà. Ferai bien de retrouver Nati. On est équipés, les amis. On est équipés, mais avant, on va aller voir le buisson magique. Attends, je vais lui piquer sa caisse. Ah oui, aussi, je voulais faire une remarque. Non, parce qu'ils sont bien marrants, les sorciers, là. On va rester dans le même humour pour aller jusqu'au bout. Mais quand même, bon, s'asseoir sur un balai, on a déjà vu plus confortable, quand même. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à trouver qu'un balai pour voler? Je sais pas, moi, n'importe quoi, une caisse, un carton, même une chaise volante. Oh, il serait quand même vachement mieux que de s'asseoir sur un bout de... Là, voilà, bon, on est bien d'accord qu'au bout d'un moment, tu vois, Paris-Marseille en balai volant, je suis pas sûr, je suis pas certain. Mais peut-être que je me fais des films et qu'en fait, si, ça va. Et heureusement, les balais que l'on peut débloquer, nous, ils ont des petites assises, ils ont des selles, comme les chevaux. C'est quand même beaucoup mieux, je pense. Je voulais de base aller voir mon magnifique buisson magique. Passer aérodynamique une chaise. Peut-être. Effectivement. Hop. Et là aussi, on est sur une animation. Hein. Tu veux pas bouger les ailes? D'habitude, tu bouges les ailes. Bouge. Bouge. Michel, bouge. Voilà. Voilà. Impeccable. Parfait. Merci pour ce spectacle. Hop. Bon, celui-là, on l'avait déjà pas mal vu, mais quand même. Des poules. Des poules. Des poules. Des poules. J'adore les poules.
Vous avez de la chance. Vous savez que les poules, ça flotte. Mais genre comme un canard. Oh, batterie faible. Bah alors, ça n'arrive jamais, ça. D'habitude. Bon. Mais, grâce à l'ingéniosité des ingénieurs de chez Sony, incroyable, cette manette a une batterie. De série, attention. Donc, je n'ai plus de batterie dans ma manette. Que fais-je? Je branche un câble. Oh, révolution. Si vous voyez à qui je fais rêve. Oh, des moutons! Ça vole des moutons? Oh oui, ça vole des moutons aussi. Pouf. Oh non, le pauvre. Il y a un trophée qui demande de retourner une vache 10 fois avec Flipendo. La pauvre vache. Vous en verrez trop partout, il suffit de les retourner à fond la caisse. Aïe, 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 aïe. Holy. J'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. Oh non, zut alors! Premier vrai affrontement du jeu, sans compter les affrontements d'intro qui étaient un peu tuto. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Continue, on doit l'épuiser. Qu'est-ce que c'était? J'essayais de le battre à son propre jeu. Ça me plaît. Continue. Ah, quand on n'a pas encore les sorts puissants, hein, ça paraît particulièrement long les combats. Maintenant, normalement, ça c'est one shot pour moi. En fin de jeu. Utiliser des petits trucs du décor aussi. Regarde, il était temps. Tac. On doit continuer comme ça. Boum. Ah bah efficace, hein. Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? Facile. J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin, est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien... Vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place. Avec plaisir, je suis un pouf souffle. Singer, officier Singer. Encore une fois, merci. C'est là qu'on va apprendre à se servir de réparo. Réparo qui permet de réparer. Alors, c'est pas les endroits les plus intéressants ni les plus impressionnants, ceux-là, c'est juste des petits objets. Mais quand c'est sur des ponts, c'est quand même vachement mieux. Mais bien pratique quand même. L'officier Singer aura une chose de moins à régler. You. Allez. Réparo. Voilà.
Tu veux que je te répare le chat? Est-ce que tu veux que je te répare? Hop là, voilà. Putain, j'adore, j'adore mettre en lévitation les animaux. Ils ont rien demandé dans le jeu, les pauvres. Mais je pourrais passer ma vie à faire ça. Arrête, reviens là. Hop, t'as de la chance. Tu peux pas partir, c'est des murs. C'est des murs, le jeu a pas prévu des échappatoires. T'es dégoûté. Hop, encore un peu. Non, 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 non. Hop là, voilà. Hop. Et si je te caresse en l'air, ça fait quoi? Non, ça va. C'est incroyable. Oh oui, t'es un beau chaton, c'est bien. C'est bien, c'est Stray qui s'est perdu, tout à fait. Il est bien plus tranquille dans le monde des sorciers. Enfin, il croyait être bien plus tranquille dans le monde des sorciers, tu vois. Il s'est dit, ça y est, c'est fini les tics et les terribles trucs, là. Et bah hop, il y a des gros trolls qui lui tombent sur la tête, le pauvre. Là, c'est mieux déjà, un peu plus impressionnant. Ouais, c'est bien. Alors, il doit en rester hein, quelque part. Tranquille, les objets, tranquille. Là-bas. Tac, un pec. Ça ne peut pas m'en empêcher. Hop, petit café. Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Hop, on va passer les dialogues. On n'est plus très loin du balai, mais ça va peut-être être chaud pour ce soir quand même. Hein. Il y a tant de choses à voir ici, prenez votre temps. C'est gratuit, j'achète, j'achète. Hop. Donc nous voilà dans l'équipement, donc l'équipement qui est assez classique en termes d'inventaire, hein, très clairement. Beaucoup d'apparences, ça c'est plutôt le plus classe, c'est les apparences dans le jeu. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préolard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Bon, allez. Ça te dirait d'aller aux trois balais? On va se bourrer la gueule, allez c'est idée. Parti. Merveilleux, ce sera par ici alors. Je vends bien d'autres objets utiles au combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique, quand vous le voudrez. Ok, donc on va aller se bourrer la gueule aux trois balais. Parce que quand même, on reste des lycéens, hein, faut pas déconner. Tu pourras même faire la connaissance de Cyrona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante, et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera à Préolard. Ouais, ça, on va passer pour ceux qui n'ont pas fait encore le jeu. C'est vachement orienté histoire. C'est pas du gros spoil parce que ça arrive très vite. Mais autant pas vous montrer les trucs. Quelle touche pour mettre la capuche sur Xbox Y? Merci, Cyrona. Seulement sur les équipements qui ont une capuche. Je montre ça dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je... Oh. Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. C'est pas un petit café plutôt, non? Non. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants d'Expo. Ah ouais, je sais, mais on est bien d'accord, Shilom 51, il y a pas de café dans ce monde, c'est terrible, c'est terrible. Il y a du jus de limace, là, de sangsue. Bravo. Il y a du thé, de la bière au beurre, mais pas de café. C'est terrible, c'est terrible. Ça, c'est un truc qui m'a un peu manqué dans la salle sur demande, qu'on pourra peut-être y aller voir bientôt, parce que je vous avais dit, on va passer aussi pour gagner un peu de temps. Là. Un truc que je vous avais dit, c'est que peut-être à la fin du live, on pourra aller voir ma partie plus avancée, sans spoil, parce que j'ai fini le jeu, donc il n'y a plus de spoil, mais au moins pour voir la salle sur demande de façon un peu plus avancée, pour s'amuser peut-être à faire un peu de déco pour les 20 dernières minutes, par exemple. Et c'est un truc qui me manque dans la salle sur demande, c'est que vous pouvez placer beaucoup de meubles, de tapis, de trucs, simplement des trucs assez classiques, mais ça manque d'objets, en fait. Ça manque d'objets, ce qui fait que tu peux pas faire des belles pièces ultra détaillées globalement. Donc ça manque un peu, tu peux faire plein de salons, mais c'est bien, plein de salons, c'est cool, mais bon. Les belles statues aussi. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas... Genre une machine à café, c'est là que je voulais en venir, c'est que j'aurais bien aimé avoir une machine à café dans ma salle sur demande. Exactement. Exactement. Hop, la carte de Poudlard. Alors, la salle commune, où c'est qu'elle est chez Poufsouffle? Elle est là, hop. Hop. C'est normal qu'il y ait du thé, je rappelle que c'est en Grande-Bretagne. Oui, mais ils boivent quand même du café en Grande-Bretagne. Ils boivent pas que du thé. Si? J'en sais rien. Hein. Pas déconner.
Tac, nous revoilà chez nous. On peut aller piller les autres. Ils ont pas de coffre. Malheureusement. Si ! Ah, c'est des bonbons. Vous avez reçu un hibou express. Très important de lire vos hibou, hein, si jamais ça débloque des quêtes. Alors le jeu vous le dit au début, mais après plus. Le café, c'est plus Amérique latine, Italie, France. Alors le café, c'est le monde entier. Oh, ça claque. Ah, t'étais pas là au début du live. C'est cool, hein. C'est cool le niveau de l'étail des salles, hein. Et encore, hein, c'est qu'une toute petite partie de tout ce qui est cool, hein. Le café, c'est le monde entier, les amis. Le café, c'est la deuxième boisson la plus bue dans le monde. Troisième, allez, il y a la bière avant et l'eau, peut-être. Je dis ça au pif, hein, j'ai pas les stats. J'espère que le thé n'est pas plus bu que le café, je serais d'une déception terrible. Est-ce qu'il y a une astuce pour arriver rapidement à la salle de la carte ou faut faire toute l'histoire jusqu'à y arriver? Faut faire toute l'histoire jusqu'à y arriver. Enfin, toute l'histoire. Allez, vas-y, hop. Faut avancer à fond la caisse, il n'y a pas de raccourci, non. Ah, El Famoso aussi, si jamais vous avez vu les films. L'escalier qui bouge tout seul. Alors, c'est pas comme dans les films avec des angles qui font hyper dangereux. Ils l'ont fait plus classe, plus classique, plus tranquille. Mais ça reste un escalier qui bouge. Alors là, du coup, il s'est déjà tout mis, mais il bouge, quoi. C'est trop cool, c'est trop cool. Tous les petits ponts que tu peux traverser, que t'as toujours vu, notamment, il est pas là, merde, le pont qui est tout tordu. Le pont qui est tout tordu, qu'on a toujours vu dans les films. Et qu'on a toujours vu comme un truc absolument incroyable, et ben il est dans le jeu. Merci, oui, bonjour, monsieur les statues. Il est dans le jeu. Il est dans le jeu. Oh, c'est magnifique. Il y a une énigme ici, j'en ai parlé dans une vidéo des trois grosses énigmes de Poudlard. Il y a trois grosses énigmes de Poudlard, notamment ce pont. Alors c'est pas des énormes énigmes, celle-là en tout cas est simple. Il faut activer les feux de camp et les... faut déjà avoir un sort de flamme, déjà. Il faut activer les symboles en fonction des symboles qui sont marqués là. C'est pas très compliqué, après tu débloques un coffre légendaire. Et il y en a deux autres des énigmes. La vidéo est disponible. Les extraterrestres même consomment du café. Persuadé que oui. J'en suis persuadé. Ma manette n'arrête pas de vibrer. Pourquoi tu n'arrêtes pas de vibrer? Tu veux pas arrêter? Parce que j'ai peur que tu crames au bout d'un moment. Tu veux pas arrêter de vibrer? Elle n'arrête pas. Elle est à fond. Y a rien qui se passe là. Pourquoi tu vibres? J'ai peur que les moteurs aient pas envie de vibrer aussi longtemps. Ah, quand je mets pause, ça s'arrête de vibrer. Ça reprend. Bon. Très bien. On va démarrer la quête, ça va peut-être s'arrêter. Mais là, la manette, elle zouz à fond la caisse. N'arrête plus. Pardon, pardon, j'ai éclaté tous les livres. Hop. Bonjour, monsieur Fig. Professeur, contente de vous voir. Moi de même, ravie de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Préolard? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre. Comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrok s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrok parler avec Victor Rookwood. Ranrok était à Préolard. Apparemment, le bug de manette, c'est assez récurrent. Il y en a pas mal qui ont eu des petits problèmes aussi. Faut relancer le jeu, on le relancera après. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des trois baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, plus exactement. Alors, s'il y en a qui se demandent, il n'y a pas la... Comment ils l'appellent? La carte du maraudeur, je crois, dans les films. Hein, pas que dans les films, d'ailleurs. Je crois, hein, on peut voir l'emplacement de tout le monde. Elle n'existe pas dans ce jeu. Peut-être qu'elle a été inventée plus tard. Votre enthousiasme vous honore.
et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecat. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Ça marche. On n'aura pas le balai sur ce live, hein. Malheureusement, c'est encore plus tard. Effectivement, la manette ne s'est pas arrêtée, donc on va peut-être relancer le jeu rapidement. Mais, est-ce que du coup, vous préférez qu'on continue ou est-ce qu'on regarde le contenu d'écho sur ma partie un peu plus avancée? Je vais faire un sondage, comme ça c'est plus simple. Comme ça, on fera les 20 dernières minutes en mode déco, en mode un peu plus avancé. Sauf si vous voulez qu'on continue. Le sondage arrive. On fait quoi? Hop. On continue. On regarde la déco slash animaux. Hop. Encore une fois, il n'y a pas de spoil. Hein, ce sera juste des trucs classiques. Vous pouvez voter et vous avez 5 minutes. Okay, donc je vais juste relancer le jeu parce qu'effectivement la manette a l'air de plus avoir envie de travailler. Enfin du bon contraire, elle est à fond la caisse. Hop. On va espérer que ça règle le problème. Hop, tu peux jamais les textes pour avancer plus vite. Si, mais je veux pas abuser non plus. Il faut quand même laisser quelques-uns par-ci par-là. Mais effectivement, si, hein, la technique, et après une fois que vous avez déjà fait le jeu, c'est de bourriner à fond la caisse. La carte du maraudeur a été créée par Lupin et Sirius Black, donc ça arrive après. Ah, elle a été créée par eux, je crois qu'ils l'avaient récupérée, moi. Ah ouais. Très bien, très bien. Hop. Oui, je l'ai appelé Peter Pan, vous avez pas vu parce que c'était derrière ma tête, mais mon personnage, je l'ai appelé Peter Pan, le deuxième. Après, Jean Sorcel, Peter Pan. Oh, on est drôle ici, était... Ah, la manette va mieux, impeccable. Super. Alors, avançons. Donc là, on va commencer à avoir quelques devoirs, ce coup-là. Des fois, des un peu plus compliqués que d'autres. Il y a 20 minutes après, j'ai regardé une vidéo de toi sur les sculptures rocheuses de Red Dead Redemption 2. En mode easter egg ? Je me rappelle que c'est une vidéo des secrets de Red Dead, je crois que j'avais fait là-dessus. J'aimais bien ces petits yeux-là. Hein, ils sont mignons, hein, vous êtes mignons. Vous faites flipper, mais vous êtes mignons. Oui. Est-ce qu'il y a des sauvegardes auto? Ouais, il y a 2-3 emplacements de sauvegardes auto qui se font, mais ils s'écrasent très rapidement, donc faut faire attention. Oui, madame. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Pourquoi tu dis que tu joues sur Xbox alors que tu es sur PS5? Parce que j'ai eu le jeu sur Xbox avant, donc je l'ai fait sur Xbox, mais j'ai aussi eu une version PS5, et étant donné que le jeu est mieux sur PS5, on le fait sur PS5. Cependant, si ça a l'air d'être... Oh, c'est vachement partagé, le sondage est à 56%, 44%. Votez au sondage. Hein. Si on va sur ma partie un peu plus avancée, on repassera sur la Xbox. J'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Ils sont pas ouf les combats. Au début, ils sont répétitifs parce que t'as rien débloqué. Mais avance dans le jeu, une fois que t'auras au moins 15 heures de jeu, t'auras débloqué pas mal de sorts. Ça arrive un peu tard, on est bien d'accord. Mais c'est normal, ça fait partie de la progression du jeu, hein. C'est comme Forspoken, ça arrive après, et une fois que t'as débloqué pas mal de trucs, les combats sont plus stratégiques, mieux, forcément. Mais au début, ouais, c'est un peu piouf, 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 quoi. On va voir les menus Xbox, bon, ils sont classiques, hein. C'est vrai que si t'as jamais vu un menu Xbox, ça t'apprendra quelque chose, mais c'est des tuiles, c'est pas forcément mieux que la PlayStation, mais c'est pas terrible non plus. Il y a de tout. Donc là, il faudrait qu'on aille faire des joutes magiques, donc tout simplement du combat. Il est où le clown? Il est où? T'es encore en train de faire chier un élève, là, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Bon, ça, tout le monde l'avait montré, parce que c'est une des premières images du jeu, vraiment, qui était sorti. Les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Pives, arrête! Je vais être en retard! Et Gros Carpet a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors, enfin bref, il apparaît à plein d'endroits. Bon, c'est scripté, hein, c'est pas aléatoire. Tout le monde aura le même au même endroit, mais pareil, c'est cool, quoi. C'est cool. Il y a des trucs de partout, c'est cool. Tu as la version de luxe ou la version normale? Sur Xbox, version normale. Sur PlayStation, version de luxe. Regarde un peu le paysage.
heureux que tu aies pu venir. Ça fait partie aussi des petites statues, très nombreuses statues que vous pouvez trouver. Elles se débloquent toujours pareil. Faut regarder le symbole et après utiliser le bon sort. Bah là, c'est Levioso par exemple. Et ça vous donne une autre page de guide, encore une bien sûr, une à 150 à récupérer dans le château. La vidéo 100% sort demain soir si j'arrive à terminer le montage. Ça va être le boulot de cette nuit, de terminer le montage. Boulot de cette nuit, demain matin, voix off, publication. Je peux t'aider ? Et après on va mourir. Oui Lucas, mais attends, parce que du coup, le sondage est méga serré, 53%, 47% les gars. Ça reste quand même le fait de passer sur les animaux. Hein. Voilà. Donc on risque effectivement d'aller passer sur la Xbox. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique. Une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. On va passer les dialogues rapidos. Bien. Tac. Alors c'est le seul un peu moment un peu tuto du jeu sur les combos que tu peux faire avec certains sorts, mais il y en a des beaucoup mieux. Et sur ce sujet-là, il y a une vidéo qui sort demain à 18h15. Il y a besoin de toutes les pages pour le platine ? Ouais. Parce qu'il y a un trophée qui te demande de compléter toutes les collections du jeu. Les collections, c'est l'encyclopédie, et il faut avoir tout à 100%. Et dans ces encyclopédies, il y a toutes les pages Révélio. Les 150. Donc il faut toutes les choper. On a l'air con les deux comme ça, tac. Fais la vidéo sur les pages bug pour le platine. Ça fera partie de la vidéo 100%, c'est la première chose que je dirais dans la vidéo 100%. Logan, ne t'inquiète pas. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé. Tac, mais dans le château, il y a 150 pages au total, mais pas 150 de Révélio. Oui, pardon, effectivement, oui, il y a aussi une partie qui est dans l'open world et aussi une partie qui est après Olar, effectivement. D'accord. Tout à fait. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et en tant que membre à part entière, tu as désormais accès au mannequin d'entraînement officiel de Joute Magique. Tac, sur les deux gros boss de God of War, tu les as fait en facile ou en normal? Facile pour la Valkyrie, normal pour le chevalier. Mais sans utiliser le checkpoint quand même. Bah écoutez, le sondage à 51%, c'est quand même ouf que ça partage autant. Donc écoutez, je ne sais pas moi. Ah le voilà, le fameux pont. Le fameux pont un peu tout tordu qu'on a certainement déjà vu, que vous avez certainement déjà vu dans les films. Et que l'on peut enfin emprunter. Alors ça va vite, du coup. Bonjour. Petit hibou là, tranquille. Vous croyez que ça vole un hibou? Enfin oui, ça doit voler, mais est-ce que ça vole... Non, ça vole pas. Les hiboux sont immunisés contre le Levioso. Tac, je voulais voir la déco, moi ça me donne des idées. On va pas voir tous les détails non plus, mais au moins que vous puissiez voir un peu un niveau un peu plus avancé dans le jeu. Oui, le sondage est reparti du côté du continu de toute façon, donc ça va pas être le cas. Mais de toute façon, c'est pas grave, puisqu'on aura l'occasion de faire d'autres lives sur Hogwarts Legacy. Je peux comprendre qu'au début, les gens aient pas envie de trop se spoiler, même si c'est pas du spoil. Mais y a pas de souci. Mais en fait, ce que j'aurais surtout voulu vous montrer, c'était les animaux. Les animaux. Je voulais vous montrer mon bébé Nifleur, moi. Je voulais vous montrer Albert! Puisque c'est bel et bien comme ça que je l'ai nommé sur Twitter. Albert. Ok, donc là on est sur de l'enchaînement plus stratégique. Pas Michel. Non, c'était Albert le Nifleur. Non, je change, tout le monde ne s'appelle pas Michel tout de même. Mais Michel, c'est les humains, tu vois. Alors que là, non. Là non, un bébé Nifleur, ça pouvait pas s'appeler Michel. C'était forcément Albert. Ah, raté. Trop rapide. Un, deux, trois. Hop. Révolte, on veut voir le Nifleur.
Bon, écoute, on va faire jusqu'à 23h, boum, la suite, et après, si vous voulez, on fait 5 minutes à la fin, après 23h, pour voir le bébé Nifleur, pour voir Albert. Juste pour voir Albert, parce que Albert, quoi. Pendant un entraînement que pendant un duel. Ça marche, chef. Hop. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour mes devoirs? Bon, c'est peut-être déjà un niveau à atteindre, je sais plus. Hop, les quêtes. Il fallait que je fasse gagner des manches de joutes magiques. Encore, alors? Et la déco. Et la déco aussi, mais c'est surtout le bébé Nifleur le plus important. Les indices. On a déjà atteint les 400 pouces bleus, c'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour, Lucan. Toc. Eh ben écoutez les amis, je vais vérifier ça, mais donc on va pouvoir donner 3 indices supplémentaires. Ça fait longtemps, si ce n'est peut-être même jamais arrivé, d'avoir 6 indices dans le même live. En étant en un live pas rallongé, hein, je crois. On commence à battre des records, c'est cool. Donc bah écoutez, c'est parti, posez vos questions. 3 nouvelles questions qui seront sélectionnées. Je vous rappelle qu'on a déjà 3 indices. Les indices étant qu'on cherche un homme qui n'est plus vivant et qui a existé dans la vraie vie. Donc un homme réel, mort. Maintenant, à vous poser d'autres questions pour avoir 3 indices supplémentaires. Allez-y, c'est le moment. Alors, est-ce que c'est un chanteur, nous demande Jérém, ce n'est pas un chanteur. Il faut donc trouver quelqu'un d'autre, j'arrive, hein, je fais ici un peu le combat en même temps. Ok, alors ce n'est pas un chanteur. Quatrième indice. Hop. Ensuite, autre question, est-ce qu'il est français? Oui, mais... Alors... Juste, vérifie, pas dire de conneries, qu'il soit pas né dans je sais pas quel pays. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner, ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Non, c'est bon. Français, mesdames et messieurs. Nous cherchons donc un homme mort français. Ça réduit déjà pas mal, ok? Et donc, troisième et dernière question. Tac, tac, tac. Hop, Pascal nous demande est-ce que c'est un homme politique? Non! Est-ce qu'il a pas été, je ne sais pas quoi, dans un machin endroit? La page Wikipédia pourra me le dire. Apparemment, non, d'habitude, c'est marqué. Genre, je sais pas qu'il soit, je sais pas, préfet, j'en sais rien. Ils sont toujours préfets, les gens, des fois. Mais apparemment, non. Pas de politique dans sa modeste vie à ce monsieur. Mais il a fait autre chose. Voilà vos 3 indices supplémentaires. C'est un Français, pas un chanteur, pas un politique. Mais qui ça peut bien être? Je vous rappelle que pour proposer, c'est point d'exclamation, puis le nom complet de la personne, sans espace si jamais il y a plusieurs mots. Étant donné que là, on cherche un nom d'un homme réel, il y a plusieurs mots. À vous de proposer, ce n'est pas Louis de Funès. Et donc le sondage est terminé, donc on va continuer effectivement pendant encore une dizaine de minutes, un petit peu plus loin, et une fois qu'on sera à 23h, ceux qui ne voudront pas voir les animaux... Eh bien vous pourrez quitter, comme ça on aura juste un micro bonus pour ceux qui sont curieux et qui veulent voir Albert. Très important, on peut vraiment les renommer. Oh, je l'ai même pas renommé Albert, hein. Je l'ai juste laissé comme il est. Par contre, j'ai renommé mon chat Chalumeau. C'est un chat. Il y avait Chapiteau aussi, mais j'ai pas osé. On pourra nommer Chapiteau. N'hésitez pas à me partager vos plus beaux... Ça a été trouvé! Bravo! AlexPC 2019 qui remporte 400 points café! Putain, il fallait le trouver celui-là, bien joué! Un petit jingle pour toi. Un petit jingle, on a dit. 20h-23h, tous les dimanches, avec Snir. Bravo! Alors, comment tu peux avoir trouvé Gustave Eiffel avec ce genre d'indice? Comment ça se fait que, quand on demande un homme mort, tu penses à Gustave Eiffel? Quand même! Faut le sortir, Gustave Eiffel, hein! Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer qui était Gustave Eiffel? Je ne crois pas. J'espère pas! Pas mal, pas mal, pas mal!
Pas mal, bravo Alex. Dis-nous Alex, comment ça se fait que t'as sorti Gustave Eiffel? Moi ça me surprend. Je pensais qu'il allait durer au moins 10 ans. Mais non, Gustave Eiffel. Ça m'est venu direct, c'est fou. T'as une fascination pour les trucs en métal grand? Je l'ai mis mais j'ai fait une faute d'orthographe. Eh ouais, c'est le piège ça. C'est le piège, pas de faute d'orthographe. C'est celui qui a construit la tour. C'est celui qui a construit la tour Eiffel. Surprenamment. Mais pas que, hein. Il a construit énormément de ponts notamment. C'était un gros constructeur de structures en métal. Et qui s'est dit, tiens, si on faisait une tour de 300 mètres de haut pour l'exposition universelle en plein milieu de Paris, ça serait vachement drôle. Et bah ouais. Encore un perso dur. Ouais, mais je commence à être en manque de persos faciles. Hein. Mais des persos faciles reviendront. Nouveau sort. Ah, un sort de flamme. On aime bien les sorts de flamme. Oh oui. Super. Tu joues sur quel mode graphique? On est en mode performance. Je préfère la fluidité, moi. C'est quand même toujours plus agréable la fluidité. La Statue de Liberté à New York aussi. Je crois qu'il est effectivement aussi à l'œuvre de la Statue de la Liberté, ouais. Mais pas que, hein, franchement. Hein. Si tu énumères toutes les œuvres signées Eiffel, il y en a un paquet. Hein. En fait, il a même inventé un truc. Il avait inventé les kits. Les kits, en fait, tu commandais un pont Eiffel et en fait, il te livrait un kit. Un kit avec tous les morceaux coupés comme il faut, etc. Et t'assemblais ton pont. En fait, il a inventé Ikea pour les ponts en métal, Gustave Eiffel. Incroyable. Et tu vois, il commençait à comprendre un peu comment ça marche. Et du coup, il s'est dit, tiens, on fait une tour. Allez, hop, let's go. Pas mauvais, le mec. Pas mauvais. Pas mauvais. Un petit cerveau déjà, tu vois. Bonjour, monsieur Fig. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Pas trop cuite, s'il vous plaît. Et pas trop de farine. Allez, on va passer les dialogues. J'aimerais bien avancer pour voir le balai, mais c'est... Continuons. C'est trop loin. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve... On doit pas être très loin du balai, hein, ça sera pas possible. Parlez à Sébastien, encore une fois. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Oh, le méchant. Ah oui, il y a une phase d'infiltration. Infiltration vachement sous-côté dans le jeu. Hein. On a souvent tendance à y aller en mode piou-piou-piou-piou-piou à fond la caisse. C'est bien, mais au final, si vous arrivez à être discret, vous allez gagner un temps monstrueux. Notamment avec Stupéfix, bien sûr. Hop. Bonjour Sébastien. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux trois balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez hop, on va passer les cinématiques et les dialogues encore une fois. En vrai, en passant tous les dialogues, vous allez gagner énormément de temps pour ceux qui veulent refaire le jeu hein, plusieurs fois. Étant donné qu'au bout d'un moment, tu connais tout par cœur... On peut les tuer les préfets? Non. Non, tu peux pas tuer les professeurs. C'est vrai qu'il y en a qui auraient aimé se transformer en monstre absolu et tuer tout le monde. Mais non, on n'est pas dans Elden Ring. Dans Elden Ring, c'est possible. Je te vois pas. C'est bien compris? Je peux me faire discrète. Allons-y. Un petit instant. Il n'y a bien aucune diff du jeu par rapport au choix de sa maison, à part tout ce qu'il y a dit dans ta vidéo. Alors, apportons des précisions sur ce point-là. Effectivement, donc les développeurs avaient dit qu'il n'y avait pas de choix de moralité. Il n'y a toujours pas de choix de moralité. Donc peu importe vos choix dans le jeu, vous aurez la même fin que tout le monde. Il n'y a qu'une seule et unique fin. En termes de différence entre les maisons, il y a bien entendu votre salle commune. Principalement ça. Quelques équipements esthétiques et deux quêtes qui vont varier. C'est tout. Tous les dialogues seront les mêmes que vous choisissez une maison ou une autre. Il y a juste deux quêtes qui changent. Une quête secondaire dont le point de départ est à différents endroits qui finiront par se rejoindre très rapidement à la même quête secondaire, c'est une carte au trésor, et une quête un peu plus loin dans le jeu dont je vous demanderai de ne pas parler puisqu'elle peut spoiler, notamment, hop, voilà, donc s'il vous plaît, bannissement, merde, je t'ai banni définitivement, je voulais pas te bannir définitivement, désolé, ne spoilez pas des trucs comme ça, vous vous rendez bien compte, s'il vous plaît, vous êtes un spoil.
même si c'est pas méga important. En tout cas, il peut y avoir différentes possibilités sur une quête. Voilà, c'est tout. Mais sinon, à part ça, ça change rien. On aurait aimé que ça change un peu plus. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et pardon. Et l'un des trucs surtout qui aurait pu vraiment changer, c'est les choix de magie noire. Ça, c'est vraiment une occasion manquée qu'ils ont de vraiment accentuer l'aspect méchant, mal, etc. En fait, bah non. Tu peux continuer totalement jouer normalement si t'es vraiment un fou. Alors que normalement, vraiment, dans l'univers Harry Potter, l'utilisation des sorts impardonnables, mais c'est un bannissement de tout, de l'univers des sorciers. De tout. Alors c'est pas censé se savoir quand tu utilises les sorts magie noire, on est bien d'accord. Mais non, non, normalement, tes sorts magie noire, c'est plus de Poudlard, c'est finito, quoi. Les bébés animaux fantastiques grandissent ou pas? Non, en tout cas pas tout de suite, parce que moi ils sont toujours bébés, donc je suppose qu'ils ne grandissent jamais. La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Il y a peut-être une méthode de les faire grandir en vrai, mais peut-être en les nourrissant beaucoup, j'avoue, je les ai pas beaucoup nourris. Oh, le père indigne, il a pas nourri ses bébés. Oh là 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 là, Albert, pitié. Tu l'occupes, je prends la clé, j'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer. Et je tiens toujours. C'est également une bonne méthode pour gagner de l'argent, ça, de faire reproduire les animaux fantastiques et de vendre les bébés. C'est terrible, on est bien d'accord avec ça. Mais ça permet d'avoir de l'argent. Rapidement. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi, j'étais invisible. Mais j'étais pouf souffle, je suis pas méchant, je viens récupérer, j'ai oublié mon crayon. Non? Bon, très bien. Il abonne la personne avec un répulsor direct. Ah, c'était plus qu'un répulsor direct, là. En plus, c'est Alex qui a gagné les points café. Alex, s'il te plaît. Attends, on va faire attention. J'espère pour vous que vous n'êtes pas un élève. Nous sommes fermés. Yep, c'est pas moi. Je suis parti. C'est sûrement je sais pas quelle est cette explosion. Il y a eu une explosion absolument monstrueuse. Très bien. Elle est là. Faire l'arène, c'est pas mal, c'est de la forêt interdite. Ouais, c'est exclusif à la Deluxe et au pack Magie Noire. Il y a d'autres arènes qui sont intéressantes aussi. Ça n'a pas été si difficile, finalement. Il y a pas plusieurs fins dans le jeu. Non, il y a pas plusieurs fins dans le jeu. Peu importe tes choix, tu auras la même fin. Ah, celui-ci est enchanté pour là aussi, pareil, ça aurait été quand même vachement intéressant de faire deux fins différentes en fonction de si t'es devenu un fou furieux ou si t'es quelqu'un de gentil, tu vois. Occasion manquée. C'est pas grave, mais occasion manquée. Il y a combien d'arènes en tout? 3 si tu comptes l'arène du DLC. Sinon, 2. Comment nourrir les animaux automatiquement? Il y a un plan à acheter. J'en ai parlé dans une vidéo astuce. Il y en a plein qui n'ont pas regardé les vidéos astuces, du coup. Hein. Aïe, 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 aïe. Hein. Vous aurez appris tellement de choses. Il y en a quand même beaucoup qui les ont regardées et je vous en remercie. De les regarder toutes. Elle sort tous les jours à 18h15 une vidéo astuce. Le rythme est tenu. Il y a que samedi, j'en ai pas balancé une. Sinon tout le reste. Tout le monde a abandonné. Pas mal. Je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu pouvoir trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque? L'infirmière de Poudlard. Combien de temps le platine? Ça dépend comment tu joues, comment t'optimises, mais entre 60 et 80 heures à peu près. Blainey à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement? Samedi, c'était relâche. Non, c'est parce que j'étais en train de bosser sur la vidéo 100% de Préolard samedi. Et donc, forcément, il n'est pas eu le temps de finaliser la vidéo Solus. Qui est-ce qu'on a là? Sébastien Palot en bonne compagnie? Attrapé en pleine exploration interdite? Vous n'avez pas à être ici. C'est pas nous. Vous serez punis. Non, c'est pas nous. Yves, n'essaie pas. Je vais le dire. Je sais pas si Pif c'est une invention du jeu, encore une fois, ou si ça existe dans les films dans les livres Harry Potter ou dans les animaux fantastiques. Bonne excuse. Ça a l'air d'être quand même un personnage important, je pense qu'il existe, hein. Mais on en a jamais entendu parler dans les livres, je crois, dans les livres et dans les films surtout. Peeves existe vraiment? Ouais, dans quelle œuvre? Parce que dans les films, on le voit pas, Peeves. Attendez que moi, j'ai vu que les films. Attends, je ne veux pas. Tu sais comment on fait pour exploser les ballons? En balai. Tu fonces dedans en balai. Quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis,
J'aime quand mes amis... Dans les livres, il est présent, d'accord. C'est fou qu'il ne l'ait pas gardé dans les films. Je te souhaite bonne chance. Ça aurait pu être un personnage intéressant dans les films. Oui, donc passer ce satané esprit frappeur. Ça m'étonnait que ce soit aussi une invention du jeu, quand même. C'était vraiment un personnage hyper important. Allez, on va avancer juste ici, et puis ce sera la fin pour cette première partie. On va passer rapidement sur la Xbox, donc, pour voir Albert. Très important, Albert. Mais là, on va commencer à aller dans les zones un petit peu plus sombres du jeu quand vous êtes avec Sébastien, de toute façon. Même si on est encore loin, vraiment la sombritude absolue. Ouais, on va s'arrêter là. Ah oui, c'est vrai qu'on va commencer après des... On va commencer après avoir des trucs un peu plus typés épreuves aussi. J'ai fait des vidéos astuces pour les grosses épreuves du jeu. J'imagine que ça pourra être utile à pas mal. Et puis bien sûr, on peut rappeler que les vidéos Solus des quêtes secondaires sont publiées sur la chaîne secondaire. J'en ai aussi parlé dans la vidéo astuces d'aujourd'hui. Ah oui, l'interrupteur. Hop. Là, c'est des trucs qui sont vraiment cool, les escaliers qui bougent dans tous les sens des fois et tout. C'est ouais. Là aussi, ça fait partie des animations. Alors là encore, celui-là n'est pas spectaculaire, mais il y en a des beaucoup plus spectaculaires que ça. Des gardes, ce n'est pas surprenant. On va aller juste à la salle là-bas, si c'est pas trop long, je m'en rappelle plus. Encore ? Mais enfin, messieurs, calmons-nous. Peut avoir platine en une partie ? Non. Allez voir le guide. Tout sera expliqué. Hâte de te voir sur Resident Evil 4. Moi aussi ! Pour l'instant, on est encore sur Rogue One Legacy pendant un petit moment. Il y a le temps de toute façon. Mais je suis impatient d'y jouer également. Je veux voir la bestiole quand même. On y arrive. J'aurais bien aimé aller jusqu'à la fin de la salle là-bas. Mais je me rappelle plus s'il y a déjà des énigmes, des trucs comme ça. Donc peut-être... Ouh, tout juste. Peut-être qu'on va s'arrêter juste avant. Je dois sûrement emprunter cette porte. Ouais, non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce qu'on va commencer à avoir après à avoir des trucs, des petits puzzles et ça risque de se rallonger. On continuera peut-être cette partie. Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, j'ai fait le jeu sur Xbox et on va repasser sur la Xbox tout de suite. Donc, je ne suis pas en mesure de débloquer le trophée platine. Mais, quand même, c'est Hogwarts Legacy. Ça m'emmerderait de pas avoir le platine. Donc, je me tâte de est-ce que je recommence tout sur PlayStation 5, surtout que je compte quand même suivre les actus du jeu, les DLC s'ils arrivent, etc. Et que j'aimerais bien suivre ça sur PS5. Donc j'ai quand même bien en tête de tout me refarcir sur Hogwarts Legacy une troisième fois. Mais je ne sais pas. Donc peut-être qu'on continuera ça en live la semaine prochaine. Dans tous les cas, j'ai pas fait le tirage au sort de 23h. Ne partez pas tout de suite. On n'allait pas l'oublier celui-là quand même. Le dernier tirage au sort est actif, point d'exclamation tasse, let's go. Pourquoi tu ne fais pas plusieurs lives le dimanche ? Comment ça, plusieurs lives le dimanche ? Comment ça, plusieurs lives le dimanche ? Point d'exclamation tasse, les amis, dernière chance de gagner des points café, sinon ce sera bien sûr dimanche prochain. Un petit jingle pour l'occasion. 20h-23h, tous les dimanches, avec Sneer. Olé ! On va sauvegarder la partie, plein d'emplacements de sauvegarde, n'hésitez pas à en faire de temps en temps, ça peut être utile si jamais il y a un bug ou un truc comme ça. Vous ne perdrez pas tout, mais normalement ça va, il y a quand même des bugs 100%, on en parle dans la vidéo Poudlard à 100% qui sort demain. Voilà. Bon, et ben, Hogwarts Legacy, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Je sais qu'il y en a qui n'ont toujours pas le jeu, qui espèrent une sortie propre sur PlayStation 4 et Xbox One. Je vous réitère mon idée que quand même, si vous arrivez à avoir une next-gen, c'est quand même mieux, hein, faudra voir. C'est fini, ouais, les lives, c'est quand les lives ? Encore un jingle ? Écoutez le jingle. 20h-23h, tous les dimanches, avec Sneer. Et il est 23h. Cependant, on va faire une petite rallonge, comme je vous le disais. On va passer sur Xbox rapidement pour aller voir ma partie plus avancée. Je vous rappelle, pas de spoil, on a fini l'histoire, donc on verra pas de dialogue ou quoi que ce soit. On va juste voir ma salle sur demande, bien gentille, bien mignonne. Je vais juste vous mettre une image rapidos
Hop, parce qu'il va falloir que j'aille débrancher derrière le PC des câbles. Donc je vais vous mettre une image histoire que vous n'ayez pas un écran noir tout dégueu. Quelle image je vais pouvoir vous mettre je ne sais pas moi. Je ne sais pas quelle image je vais pouvoir vous mettre. Une capture d'écran classique. Hop, est-ce que j'ai une belle capture quelque part? J'ai peut-être bien une belle capture. Une capture qui spoile pas. Oh, celle-là est jolie. Hop, voilà. Tac. Attendez, j'arrive. Hop, on va voir Albert. Albert arrive. Moi aussi j'arrive. Bonjour, comment ça va? Tac. Tac, voilà, on est de retour. Ok, bon bah écoutez, participez pour l'exclamation TAS. Je vous laisse en compagnie de Marcus. Je vais juste débrancher derrière le PC des câbles en espérant que ça fasse pas tout cracher. Marcus est là, il vous surveille. Hop, voilà. Et j'arrive pour l'exclamation TAS. Je vous mets la petite musique également. Ou petit ours brun. Putain, oui, on va mettre petit ours brun, bien sûr. Bien sûr qu'on va mettre petit ours brun. Bien sûr. Mais bien sûr qu'on va mettre petit ours brun. Mais bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé. Merci, Jérém. Hop, petit ours brun. J'arrive. Tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit ours brun. Saute, saute les pieds joints, petit ours brun. Petit ours. Petit ours brun. Encore, parce que j'ai débranché la console, il faut que je la rebranche. Voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Petit ours ton copain. Oh, j'ai oublié les paroles, terrible, j'ai oublié les paroles. Alors, est-ce que cette console veut bien fonctionner? Apparemment, oui, impeccable, super. Hop, oh là 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 là, la technologie, SNIR sur Xbox, mais SNIR, mais tu fais une infidélité à PlayStation, c'est terrible. Alors, grande question également, vous pouvez voir mon gamertag également, ne m'ajoutez pas, ça ne sert à rien, c'est un gamertag que j'ai créé en 30 secondes chrono, j'ai même laissé le nom qu'il propose de base tellement j'en avais rien à foutre, donc d'ailleurs, numéro incalculable. Ne m'ajoutez pas sur ce gamertag, ça ne sert à rien. J'essaye de réduire Marcus, je n'y arrive pas. Voilà, hop, tac, impeccable. Hop, voilà, on est de retour, très bien. Let's go. Alors, pas que j'utilise la manette PlayStation, mais l'autre manette. Hop, allume-toi, s'il te plaît, merci. Tac. Allez, on y va, quoi. Il faut que je te branche ton câble, c'est ça que t'es en train de me dire? Bah, je vais te brancher ton câble. Tout va bien, on est organisé ici. Putain, il y a trop de câbles dans la vie. Hop. Tac, ça va vous? Vous voulez un peu plus d'ours brun? On peut mettre un peu plus d'ours brun hein, si jamais. Hein. Hop, ça marche, impeccable, let's go. Potence pour cet ours. Mais non, vous voyez, même mon nom s'appelle Test, tellement j'en avais rien à foutre de mon gamertag. Let's go! Nous revoilà dans Hogwarts Legacy avec un équipement déjà un peu plus cheaté. Hein, on est en plein milieu de la forêt interdite et je suis level 36, donc bientôt level max, hein, donc on a déjà un peu bourré le jeu. Est-ce que t'es à 100%? Pas encore, mais j'y arrive bientôt. Tu vois, si on prend le pourcentage de complétion des défis, je suis à 80%, mais ça arrive. Je voulais avant toute chose vous montrer, mesdames et messieurs, donc la carte bien sûr est débloquée à 100%, ce coup là ça fait plaisir, hop. Voilà, donc si jamais vous voulez pas louper de quête secondaire, il faut que votre carte soit comme ça, et vous les verrez tout affiché, si vraiment vous avez vu tous les petits bords, etc, il n'y a pas de souci. À 204, tu élèves ton bonnet, non j'ai dit à 10 millions de bonnets. Ça fait beaucoup, mais c'est atteignable, abonnez-vous. Tout ça pour dire que je voulais aller là, moi, voilà. Hop, pour cette petite rallonge de live, on va rapidement voir ça. Rapidos. Et je tirerai au sort le gagnant à la toute fin. Nous voilà donc dans la salle sur demande qui n'est pas comme ça. Il y a des petites marmites là, hop. Les potions gratuites, on adore les potions gratuites. Oh, je peux plus transporter de potions. Voilà, c'est mieux. La salle sur demande que vous débloquez de base assez rapidement dans le jeu, mais qui n'est pas du tout comme ça. Elle n'est pas du tout comme ça, elle est beaucoup plus petite. S'il y en a qui se demandent où est que c'est le reste,
Ça arrive plus tard, encore une fois, il faut progresser dans Hogwarts Legacy, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Cependant, ça arrive quand même assez rapidement, ça, c'est la zone, vous le savez, des nanimaux. Ici, on les nanimaux, ici, on les nanimaux. Coucou, toi. Oui. Oh oui, tu veux des gratouilles? Tu veux des gratouilles ou de la nourriture? Tu veux des gratouilles? Et oui, tu veux des gratouilles. Et oui. Oh oui. Oui, tu veux des gratouilles. Coucou. Tu veux des gratouilles? Et oui. Oh, regardez le petit, il est là. Le petit. Il roule. Il est où, Albert? Albert! Ah oui, c'est Chalumeau! Chalumeau qui fait le con. Voilà, Chalumeau qui fait toujours le con, de toute façon. Tu peux jouer avec. On peut jouer avec, j'ai pas placé de jouets, je les ai pas achetés les jouets parce que j'avais envie de mettre mon argent dans autre chose. Mais il y a des babales. Est-ce qu'on irait pas acheter les babales? Peut-être qu'on irait acheter les babales. Je cherche Albert, mais est-ce que j'ai pas déplacé Albert? Si, ah non, bah si, il est où? Il est où Albert? Albert? Où est-ce qu'il est caché, Albert? C'est là? Albert! Coucou, mon Albert! Comment il va, mon petit Albert? Attends, on te voit pas, Albert. On te voit pas, les gens ne te voient pas, Albert. Hop. Voilà, mon Albert. Comment il va, mon... Non, Albert. Voilà, mon petit Albert. Vous l'avez vu, mon Albert? Encore Albert. Hop. Voilà, mon petit Albert. Ils sont tes parents. Gertrude, Robert, ils sont où? Ils le laissent toujours tout seul, le pauvre. Ils sont où, ces cons, là? Quand en train de je sais pas faire quoi, là? Là, voilà, Robert, c'est bien de laisser ton fils tout seul, là, hein? Quoi, tu veux laisser l'école de la vie, c'est ça? Allez, mange. Voilà. Bon, alors, pour vous expliquer un petit peu, parce que là, moi, je suis parti, je tiens une heure là-dessus, hein, vous savez. De base, donc, vous les capturez quand vous avez débloqué votre valise, ces animaux, il y en a 13 en tout, et vous devez capturer, très logiquement, un mâle et une femelle. Ensuite, mâle, femelle, vous construisez un enclos qu'il faut acheter, encore une fois. Cet enclos sert à une seule chose, à les faire se reproduire, tout simplement. Bon, là, j'ai la capacité maximale, donc je pourrais pas le faire. Mais du coup, hop, vous mettez un mâle, une femelle dans le même endroit dans la zone, vous dites, allez, au travail, les gens, et hop, une demi-heure après, pif, un petit bébé, il y a des petits bébés oiseaux, il y a des petits bébés boursouf, il y a des petits oiseaux. Mange, tu deviendras grand, toi. Non, il est en train de... Comment ça? Mange! Tu veux pas manger? Si, mange. Voilà, mange. Bref, donc voilà, absolument incroyable. J'ai envie de faire que ça, tu vois. Va acheter les balles. On va voir si j'ai assez d'argent pour les acheter. Et si on a assez d'argent, on pourra le faire. C'est pas fini, parce que là, on a vu que des petites bébêtes, mais il y en a d'autres. Alors, il y a des bébêtes que j'ai peut-être pas envie de vous montrer pour pas vous spoiler trop. Et je sais plus dans quelle zone j'ai mis quelle bébête, donc c'est un peu embêtant. Même si c'est pas le méga spoil du monde, vous avez peut-être pas envie de voir toutes les créatures. Ouais, là, ça. Ah oui, il y a les veaux de lune, c'est pas mal. Les hippogriffes, on les avait déjà vus. Les crapauds, ils sont moches. Ah, les licornes, ouais, c'est sympa aussi. Il y a des licornes dans le jeu. Bon, les sphénus, malheureusement, on pourra pas avoir le jour. Mais pareil. Est-ce que j'ai pas envie de faire un élevage de licornes, en fait? Je t'aime bien, petit hippogriffe. Je t'aime bien, t'es beau. Tout le monde va l'appeler Buck. Tout le monde va. Tu veux des gratouilles? Tu veux des gratouilles? Des gratouilles. Voilà les gratouilles. Ah, tout le monde va l'appeler Buck. J'ai presque envie de le mettre dans le placard, tu vois, et de faire un élevage, tu vois. J'ai envie d'avoir 20 chevaux là, tu vois. Mais oui. Et le mieux si ça, c'est qu'il y a un petit bébé hippogriffe. Il est tout petit. Hop. Allez, mange. Grandis. C'est bien. Bref, c'est absolument incroyable. C'est 20 sur 20. Voilà, donc voilà, mon but est de créer un élevage de licornes, je pense, à long terme. Il y a un trophée qui vous demande de faire se reproduire toutes les espèces. Le guide est disponible pour vous aider, c'est un des premiers guides que j'ai sorti. Est-ce qu'on peut aller chercher les babales? Ce serait effectivement peut-être une bonne idée. On va essayer de voir si j'ai assez d'argent pour les acheter. Et on s'arrêtera avec ça. Il n'y a pas de lama, c'est moche. C'est vrai. Sur quand le guide 100% de Poudlard? Demain. Je ne sais pas à quelle heure demain, mais demain. Je vais passer ma nuit sur le montage.
et normalement ça va bien se passer. Je ferai une vidéo pour les prévues pour les plateformes d'atterrissage. Plus que ça, je vais faire une vidéo 100% pour toutes les campagnes, pour toutes les zones de campagne, elles seront intégrées dans les vidéos 100%. Monsieur Tom, combien est-ce que vous vendez les trucs pour Babal? 500, mais c'est que dalle! Facile! Hop, allez! Allez, c'est gratuit! C'est gratuit la boîte à jouer pour créatures! C'est gratuit! Let's go! Hop! On va jouer à la Babal avec Albert! 20 chevaux, c'est pas beaucoup! Ouais, mais je vais pas non plus faire le haras du siècle! Hein. C'est 14 par zone en fait, donc j'aurai 14 chevaux! Alors! T'as mis de la déco dans une autre pièce. Non, au final, j'ai été très orienté... Arrêtez de faire les cons! J'ai été très orienté productivité. Donc, j'ai pas mis beaucoup de déco. Mais on va pouvoir voir la déco juste après. Hop, on va passer ça là. Hop. Alors, quel babal on prend? Balle de morve, oh non, bah pitié. Mannequin de mage noir. Une balle lune, on va prendre la balle lune. Elle est où la balle? Elle est la balle. Elle est où la balle? Attends, il faut qu'on prenne les bons sorts. Hop. Voilà. Qui c'est qui veut jouer à la baballe? Où c'est que j'ai mis mes sorts? Je les ai pas pris mes sorts? Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, 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 et tac. Voilà. Qui c'est qui veut jouer à la baballe? Allez! Oula. Excusez-moi, je contrôle pas ma force. Elle est où la balle? Ah, elle a la balle. Qui veut jouer à la balle? Allez, Pernifleur, tu veux pas jouer à la balle? Regarde, là, il y a une balle. Ça te dérange pas le dédoublage du personnage quand tu tournes la caméra? Ça fait trop chier. Le dédoublage du... Ah si, là, la petite ombre, là. Non, mais tu le vois presque pas. En vrai, ça va, c'est pas le pire. Hein. Je suis plus embêté par les charges. Allez, tape dans la balle. Putain, mais vous avez tous la flemme, là. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de branleurs, là? Moi, je me fais chier à acheter une méga baballe pour qu'il y ait pas un con qui joue... Non, t'as pas envie de jouer à la baballe. Tu devrais mettre la balle à l'hippogriffe. Peut-être plus. Peut-être qu'un nifleur, c'est peut-être pas l'animal favori pour jouer à la baballe. Et si on l'aide un peu? On va pas t'aider un peu? Regarde, si je fais ça. Hop. Non, on a pas vu. Attends. Non, c'est pas toi que je veux, voilà. Hop. Si je fais ça. Hop. Non, à chaque... Voilà. Non? Non, tu veux pas jouer à la balle, t'es une grosse merde, c'est tout. Oh, qu'est-ce qu'il vole, là? Je suis un peu déçu de votre capacité à jouer à la baballe, monsieur Nifleur. Je vais aller voir Albert. Albert! Il est là. Ah, mais il est là. Bonjour, Albert. Comment il va, Albert? Je peux prendre avec Wingardium, toi? Non, je peux pas te prendre avec Wingardium. Par contre, je peux te prendre avec... Ah, attends, elle est où, la baballe? Oh, je t'ai tapé, Nifleur. Je lui ai mis un méga coup dans la tête. Je suis désolé! Oh, merde, il s'enfuit. Non, mais je voulais pas! Je suis désolé. Attends. Excuse-moi, voilà. Oh, il fait pouic. Vous entendez, il fait pouic. Je suis désolé, Nifleur, pour le coup de baguette, j'ai pas fait exprès. Bon, bah manifestement, le jeu à la baballe, c'est clairement pas la priorité ici. On va voir ce que ça donne effectivement du côté des trucs un peu plus gros. Ça se trouve, ce sera mieux. Mais bon, je suppose que l'IA est en fait pas si développée que ça. Et qu'ils sont pas été très très bien programmés pour jouer à la baballe. Mais on va avoir un peu d'espoir avec Hippogriffe, s'il veut bien apparaître. C'est que vous êtes là, bébé Hippogriffe, papa Hippogriffe. Tout ça, vaut de lune également, voyons voir. Hop. Chaque fois j'enlève mes sorts, ça me perturbe. Hop. Tac, tu joues sur PS5 car on voit pas Hogwarts Legacy dans ta liste des trophées. C'est normal, c'est parce que quand j'étais sous embargo, ils avaient demandé à qu'on cache la liste des trophées. Donc je l'ai jamais réactivé, mais ça sert à rien parce que j'ai aucun trophée sur Hogwarts. Hein. Alors voyons voir, essayons avec une pelote de laine. Et peut-être qu'avec une pelote de laine, ils seront un peu plus motivés. Un peu de lumos. Alors, pelote de laine, regarde. Elle est bien la pelote. Elle est bien la pelote, non? Hein? Coucou le petit poulain, tu veux jouer à la baballe le poulain? Non. Vous êtes d'une déprime. Je vous achète des jouets
Vous êtes des vrais chats. Vous êtes des vrais chats. En fait, le chat, tu vois les chats, tu leur achètes un méga jouet à 15 balles, là, tu vois le truc qui fait clink clink et tout doux, qui est tout mou, là, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, le chat? Il le regarde, il le renifle, et il se dit, non, je m'en bats les couilles de ton jouet. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir une boîte en carton qui traîne dans le garage depuis 6 semaines. Et ben, il va jouer avec. C'est pareil. Je t'achète une méga pelote de laine à 500 balles, et je sais que tu vas aller jouer avec le papillon au bout de la pièce. Très bien, j'ai compris. Et tu vois, je me fous dans l'eau pour toi. Incroyable. Bon, vous l'avez compris, c'est pas encore tout de suite qu'on va pouvoir jouer avec les animaux. Je serais pas surpris que ce soit amélioré pour le futur, mais manifestement, l'IA de jouet n'a pas été implémentée. Hein, on peut se le dire. Pas non plus. Licorne, tu veux pas sauter? Ça va? Pardon. Et ça, par contre, ça c'est bien. C'est que quand tu fais les cons, il fuit. Désolé, je contrôle pas la baguette, je fais n'importe. Oh, il y en a un qui est trop mignon aussi. Lumos. C'est le bébé veau de lune. Ah, tu me fais plus la gueule, ça va mieux. Je suis désolé. Incroyable. Voilà, bon. Vous avez vu le gameplay animalier, c'est absolument incroyable. On peut aller voir le gameplay décoration, rapidos. On va récupérer ça pendant qu'on y est. Donc ça, c'est une grande salle, bien vide. Il n'y a qu'une seule déco que j'ai mis. C'est un nifleur qui se fait caresser. Comme je le disais dans mon test, pipou. J'ai envie d'en foutre partout. Alors, niveau déco, y a tout ce qui est production de plantes botaniques, voilà. Des accessoires dont j'ai parlé aujourd'hui pour produire des trucs, des pierres de lune notamment. Et après, on a toutes les décos. Donc là, on a toutes les décos un peu type mural, donc effectivement les miroirs, on peut mettre des bannières de maison, on peut mettre des crânes, tout ça, voilà, la bonne ambiance. On peut changer la taille, c'est rigolo, tu peux les mettre plus gros ou type petit. Tu peux les mettre tout petit si tu veux. Hop, voilà, comme ça c'est le maman et le bébé. Comme ça c'est très joyeux comme scène. Hop. Ensuite, on va avoir des tapis. Alors des tapis, on peut en foutre partout. C'est bien. Des tapis, c'est joli. Hop, voilà. Enfin, en vrai, vous pouvez y passer mais des heures. Il y a différents styles, tu vois, tu peux mettre des styles en fonction des maisons, tu peux mettre un peu plus de rouge, tu peux mettre plus grand, tu peux mettre petit, tu peux faire un tout petit tapis, hop, ou beaucoup plus grand. On est vraiment dans un Sims, hein, c'est abusé, tac, voilà, donc ça c'est pour les tapis. Ensuite, on va trouver les meubles. Alors là, il y a pareil, des meubles, il y en a beaucoup, je les ai pas encore tous débloqués, enfin beaucoup, pas tant que ça. Il y a beaucoup des armoires, des bibliothèques, etc., des paravents, meubles gothiques, hop, on va placer un petit meuble gothique, voilà, une petite coiffeuse, une petite bibliothèque. C'est joli ça. Ça aussi, tac, voilà. Hop. Alors à chaque fois, ça coûte des pierres de lune, encore une fois. Il vous en faut beaucoup. C'est pour ça que dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vous ai présenté les raffineurs. Ensuite, on peut mettre des décorations. Donc les décorations, c'est ce que vous y retrouvez un peu partout dans le château. Ça peut être des globes également. Vous pouvez, pareil, interagir. On peut en mettre un immense, on peut en mettre des plus petits. Mais encore une fois, comme je le disais, ça reste surtout des meubles comme ça, mais il n'y a pas beaucoup d'objets. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'objets, moi. On peut mettre des armures aussi, c'est bien les armures. Hop, une méga armure, voilà, hop, tac. Impeccable, ça c'est beau, incroyable. Hop. Voilà, incroyable. Est-ce qu'on a envie d'être accueillant? Bien sûr que oui, c'est parfait. On peut mettre des mannequins, des lampadaires, tout ça. Et encore, j'ai pas tout débloqué. On a les œuvres également, donc ça c'est tous les tableaux animés. Oh, il y a un veau de lune. Oh, je l'avais pas vu lui. Oh. Il y a combien de pièces dans la salle? En vrai, deux grosses. Ils bougent pas eux? C'est juste des peintures? Très bien. Quand même. Alors, personne a fini les quêtes à 100% dans le chat? Si, moi je les ai finies à 100%. Qu'est-ce qui te pose problème, Kylian? Il y a un niveau minimum pour les deux dernières quêtes secondaires parce que je bloque à 98%. C'est surtout l'avancée dans l'histoire principale. Si tu as terminé l'histoire principale, les quêtes secondaires seront toutes présentes. Il y a des canapes aussi. Hop, canapé gothique, celui-là, il est classe. Voilà, peut-être un peu gros.
Voilà. On va essayer de faire un petit salon tranquille, comme il faut. On peut mettre des poufs. Hop, j'ai fini l'histoire principale. Alors dans ce cas-là, bah ouais, fouille toutes les zones que t'as pas visitées encore. Tous les petits coins gris sur la carte et tu finiras par les voir, elles vont apparaître. Sinon, patiente, dans la semaine, je vais faire une grande liste de toutes les quêtes secondaires sur le site. Et comme ça, tu pourras voir l'emplacement de toutes les quêtes secondaires. Mais pour l'instant, il faut déjà que je fasse les vidéos 100%, c'est la priorité. Mets une table d'échecs également. Hop, voilà, un petit jeu d'échecs. Très bien. Voilà, on peut pas jouer aux échecs, il n'y a pas de mini-jeu, c'est juste des animations jolies, mais ça, c'est quand même bien que ce soit là, c'est pas si mal. Énorme table décorée, hop, voilà. Changer les couleurs, enfin bon, bref, vous voyez, c'est quand même particulièrement développé, il y a vraiment énormément de choses à débloquer. Donc une quête qui est manquable, tu confirmes? Je confirme, rien n'est manquable. Vous pouvez faire ce que vous voulez et vous occuper de tout ce qu'il y a après la fin du jeu. Les statues, il y a énormément de statues également, notamment des statues de licornes, et on peut les mettre immenses aussi. Voilà, hop. Donc ça peut très vite être le bordel, hein. Voilà. C'est bien parce que c'est tout sur un quadrillage, donc c'est vachement pratique à placer, etc. On peut mettre une petite licorne au milieu là. Oh oui, la petite licorne. Hop là, voilà. Impeccable. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant également? Il y a des décos saisonnières, alors c'est pas grand-chose, c'est juste un sapin de Noël et des trucs d'Halloween, c'est à trouver dans l'open world, ça. Je les ai pas encore trouvés, ça doit être plutôt dans les zones avancées. Voilà. Ben voilà, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait en termes de collection. Et donc comme je disais, ben c'est bien pour faire des petits salons, tu vois. Tu peux placer des tapis, des meubles, etc. Quelques meubles avec un peu plus de détails. Mais j'aurais aimé avoir un peu plus justement le fait de pouvoir placer un objet sur une table, etc. Ça aurait permis de faire vraiment des vraies belles scènes, etc. Là, à part faire un salon, un autre salon, un autre salon. Bon, voilà. Et un truc impressionnant aussi, c'est la possibilité de modifier les sols et les murs. C'est cool. C'est vraiment cool. C'est cool. Hop, voilà. Là, j'ai fait un petit sol un peu pierre, un peu effet pierre. Pareil pour les murs, je peux modifier tous les murs. Non, si c'était mur, hop. Hop, voilà. Et tu modifies ton style de mur si tu veux faire un truc un peu plus type forêt. En fait, c'est en rapport avec les maisons, hein, tout simplement. Un truc un peu plus vert pour Serpentard. Un truc un peu plus joyeux. Pareil, les vitraux, etc. Franchement, la salle sur demande, c'est absolument monstrueux. Mais c'est pas utile. C'est vraiment si tu veux y passer du temps, qu'y passe du temps. Chaque jouet est pour un animal en particulier. C'est vrai? Oui, non, mais il n'y a pas pour autant... Oui, d'accord, il y a le style et pour un animal en particulier. Mais je suis pas sûr que si tu utilises la balle avec l'animal qui joue vraiment avec. Par exemple, on est d'accord que la pelote de laine, c'est pour les chats. Si je veux utiliser la pelote de laine, tu crois que le chat joue avec? On va tenter cette théorie. C'est une théorie intéressante. Est-ce que les chats jouent avec? Putain, si c'est ça la théorie, c'est absolument... C'est ça! C'est ça la théorie! Oui! Oui! Oui, c'est donc ça! J'ai envie de pleurer. C'est magnifique. Y a Chalumeau qui joue avec sa baballe. Mais t'es devenu grand. J'ai envie de pleurer, t'as grandi si vite. Merci. Merci de m'avoir signalé ça. Ça fera partie de la prochaine vidéo astuce où le sujet c'est la salle sur demande. Je te le dis. C'est obligé. Ça fait partie des astuces primordiales à savoir dans le jeu. Donc, quelle est la balle pour les nifleurs? Parce que au final, moi, ce que je veux, c'est que Albert joue. Ça fait déjà une demi-heure que je suis en train de faire le con avec les animaux, incroyable. C'est quoi la balle pour les nifleurs? Les licornes, bulle impossible à éclater, mage noir, c'est pour les hippogriffes. Le soif, le quidditch, c'est pour les oiseaux. La boule du désert, c'est pour les machins, les oiseaux. La balle cluante, c'est pour les boursoufs. La balle en or, c'est... Ah bah oui! C'est pour les nifleurs, la balle en or, bien sûr! Bien sûr. Donc là, je devrais voir des nifleurs me courir dessus, c'est ça le délire? Où sont les nifleurs? Albert! Viens chercher ta balle, c'est une balle de golf en or, ils abusent. Albert! Ils sont où? Ils sont encore en train de faire les cons, c'est toujours pareil. C'est un... Ayam, hop! Il se casse la gueule.
Oh oui, Albert. Je peux crever, je peux crever. Il joue à Cavaval. Ah non, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce qu'au final, je vais passer les 5 prochaines heures de ma vie à faire ça? Oui! Bien sûr que oui! Ça y est, vous êtes fatigué? Ça y est? Ouais, je comprends que vous êtes fatigué au bout d'un moment. Ou alors peut-être que vous êtes sorti un peu trop de votre zone et que là, du coup, le jeu ne sait plus quoi faire avec vous. C'est peut-être ça aussi. Non, ça y est, c'est reparti. Ça sert à quoi de faire ça? Comment ça, ça sert à quoi? À rien du tout! Mais justement, c'est précisément... Alors attends, parce qu'il y a les boursoufs aussi. Les boursoufs, c'était quoi? La balle gluante, je crois. T'as fait une vidéo pour cette tenue? Elle est sortie aujourd'hui, 17h30. Alors pas pour le masque d'oiseau, parce que je sais plus du tout où je l'ai récupéré, le masque d'oiseau. Pour la cape, par contre, ouais. C'était la balle gluante pour les boursoufs. La balle de morve, pour être très précis. Elle est où la balle de morve? Elle est là, la balle de morve. Hop, on va la mettre jusqu'au bout. Les boursoufs. Hop. Oh merde, j'ai de la morve qui dégouline de partout, c'est terrible. Hop, voilà les boursoufs. Par contre, pourquoi les boursoufs aiment la morve? Depuis quand? Bah, jeu de l'année 2023, hein, c'est tout. C'est tout. Le masque avec la lésion du compte Wizard. Non, parce que je l'ai pas lié. Donc non. Il y en a peut-être un qui ressemble aussi. Hein. Tu peux jouer avec les hippogriffes. Bien sûr que oui, on peut y aller. On peut aller jouer avec les hippogriffes. Bien sûr que oui. Chick trouve que vous avez vraiment beaucoup... C'est bien. Oui, on a un elf de maison. Je vous l'ai pas présenté. Vous l'avez vu. Hein, voilà, il s'appelle Chick. Il y a beaucoup... c'est un type chien. Si, on est obligé. On va finir le live, rassurez-vous, hein. Mais très... c'est un type chic. On peut pas mettre plusieurs babales. Hop, c'est pas par là que je voulais aller, parce que là il y a des créatures, je voulais pas spécialement vous montrer, donc hop, on n'y va pas. C'est l'autre. C'est dommage que c'est la zone la moins jolie, mais c'est pas grave. Tac. À savoir qu'il n'y a pas de zone précise, vous placez les animaux où vous voulez, hein. Vous pouvez les récupérer quand vous voulez, vous pouvez même les relâcher, bien sûr, hein. Y a pas de souci. Alors, coucou toi, t'es beau, t'es belle licorne. Et oui, t'es bien. T'as fait le tirage, toujours pas, mais il est toujours en cours. Tu peux participer d'ailleurs. Alors les hippogriffes, c'était quoi? Nifleur, veau de lune. Certaines créatures utilisent des ossements pour jouer, on sait pas lesquels. Balle de cuir, c'est pour tous les animaux aussi. Ça peut être cool de l'utiliser. Joueur Bill, Grabcon. Ah bah voilà, c'était le mannequin de mage noir pour les hippogriffes. D'accord, très bien. Il est où? Là. Ah oui, d'accord, ils vont s'amuser à foncer dessus, c'est ça le délire? Voilà. Alors, comment il est ce petit mannequin? Lumos. Hein? Comment il est ce petit mannequin? Bonk. Bonk. À 300 km/h. Donc, ah ouais, ok, très bien. Ils avaient besoin. C'est un vrai punching ball le truc en fait. Coucou toi, tu veux une balle avec de la lune? Tu veux une lune? Tu veux que je décroche la lune? J'arrive. Doucement les gars quand même, doucement. Attends, on va les calmer parce que là ils vont me foutre le sac de partout. Hop. Voilà. Tac. Là, hop, la balle lune pour toi. C'est pour toi, exprès pour toi. C'est pour toi. Oh là, regarde. Hop là, incroyable. Bon, mets la balle pour tout le monde. On va mettre la balle pour tout le monde, mais on va la... Ils arrivent en force. Regarde, la famille, là. Et oui. On va mettre la balle pour tout le monde, mais on va aller dans la zone un peu plus éclairée pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe. Il y a aussi des gros crapauds moches, mais on les aime quand même. Mais c'est sûr que par rapport à un petit veau de lune tout mignon, là... Hein. C'est difficile, hein. Il peut y passer des heures. Ah non, mais arrêtez. Mais vraiment, sans déconner. Sans déconner. Déjà, je vais en parler dans la prochaine vidéo astuce qui parle de la salle sur demande, c'est sûr. C'est incroyable. Allez élever des créatures.
Enlever, c'est trop bien. Mais bien sûr que c'est trop bien. Ça pourrait être que ça, le jeu. Ça ne pourrait être que ça. Il y en a plein qui n'ont sans doute rien à foutre, qui font, ouais, bon... Moi, je vais plutôt aller buter du sorcier avec de la magie noire, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. On tue des gens, et après, on va jouer avec des boursouffes tout bibi. C'est très important. Non, mais très important. Balle en cuir, hop. Voilà. Pour avoir plus de lumière, tu peux mettre dans la salle en haut au milieu. Tu peux les mettre dans la salle en haut au milieu. Oui, aussi. Oh non, moi, je pourrais tout déplacer dans les zones plus lumineuses. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais j'ai la flemme, mais on pourrait le faire. Voilà, donc là tout le monde joue là, donc là ça va être la guerre là. Et Albert, tu galères, hein, il est un peu gros le ballon pour toi, hein, on est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est incroyable. Bon, et bah c'était Hogwarts Legacy, on a rajouté une petite demi-heure. Ouais, vous avez bien fait de rester. Vous avez bien fait de rester. Hein, merci encore pour l'astuce de la babale, j'avais pas capté que c'était une babale par animal. Hein. Et effectivement, ça change tout. Les amis, il est temps de faire le tirage au sort de 23h. Je le ferai demain. Si jamais t'as besoin d'aide pour trouver toutes les créatures, le guide est disponible sur la chaîne. C'est une des vidéos assez anciennes, du coup, maintenant, il y en a eu pas mal, mais tu peux renommer les animaux. Bien sûr, et d'ailleurs, on n'a pas renommé Albert. C'est une grave erreur de ma part. J'arrive. Albert, non, pas Chalumeau. Albert, arrête de jouer 2 minutes. Merci. Non, c'est pas toi que je veux, c'est ta mère, ça. Albert, voilà, qui s'appelle Nifleur Juvénile de base, et que l'on peut renommer. Et que l'on va bien sûr renommer en Albert. Parce que Albert, c'est bien sûr un très bon nom de Nifleur. Albert. Hop. Et voilà, Albert. Bonjour Albert. Alors, il y en a qui m'avaient posé la question, est-ce qu'ils finissent par grandir? Les miens n'ont jamais grandi. Donc, je suppose que non. Ça me paraît bizarre qu'ils finissent pas par grandir au bout d'un moment. Peut-être que c'est très long. Peut-être qu'il faut les nourrir très souvent. J'ai pas fait de test à ce sujet. On verra. Peut-être que la semaine prochaine, il aura... Oh non, ça se trouve, il aura grandi. Mais c'est pas grave, Albert, parce que si jamais tu... T'es mignon, quand même. Si jamais tu grandis, eh ben j'irai te trouver une petite Albertine, et vous aurez un Albert 2. Promis, on fera ça ensemble. Il est beau, quand même, hein. C'est mon bébé. Bref, j'ai pas reçu mes 400 points, c'est normal, c'est crédité après les lives, donc tu l'auras pour la semaine prochaine. Tu vas passer ta journée dessus, mais je peux passer ma vie dessus. Est-ce qu'on peut les bouffer? Non. On ne peut pas, non. On peut les vendre, par contre. Tu peux les exploiter et en faire un élevage terrible et atroce. Ça, tu peux. Je disais, le tirage au sort de 23h, tu n'as aucun qui a un plus. Peut-être dans des autres salles. Peut-être dans les autres salles, mais là, non. Let's go, le gagnant de 23h, il s'agira de... Ça n'a pas marché, de... Sneaky Angel 2202, bravo à toi, la régularité bien sûr qui paye, très heureux de t'offrir ces 15 points café. Hop, c'est noté. Et ben voilà, les gens demandent le ban parce qu'il a voulu manger mon nifleur. Il mériterait. Ça va, c'est pas si pire. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à montrer ici. Je suis en train de les faire se reproduire pour les gens qui demandent faire reproduire des animaux pour le masque. De faire reproduire 10 animaux pour le masque en récompense. Oui, de toute façon, il y a plein de récompenses dans tous les sens, hein, de toute façon. Alors, effectivement, on pourrait parler un petit peu des autres équipements rapidement. Notamment, ce qu'on n'avait pas vu, c'est le manche de baguette. Car si effectivement la baguette est un choix unique, vous pouvez placer des manches sur les baguettes. Et c'est cool, parce qu'il y a plein d'esthétiques différentes. Voilà, il y en a beaucoup. J'ai quasiment tout récupéré là. Je ne dois pas être très loin de tout avoir. Oh, sympa celui-là. Ça permet de modifier un peu votre baguette, même si on la voit globalement jamais. Hein, donc, à part vraiment quand vous êtes proche. Il n'y a pas de mode photo malheureusement. Je dis pas de conneries, il n'y a pas de mode photo. Hein. Non, il n'y a pas de mode photo. Dommage qu'il n'y ait pas de mode photo. Bref, pour récupérer toutes les pages de Poudlard, c'est une heure, c'est long à faire. Moi, c'est fait de mon côté. La vidéo 100% sort demain. Fin de journée. Ça dépend comment ça se passe. On va dire fin de journée. On y croit à fin de journée avec une autre vidéo astuce parce que j'arrive à faire les deux en même temps. Je vais bientôt mourir. Bref, merci à tous d'avoir été là les amis ce soir. Un live un peu plus long que d'habitude. C'était important de voir ça. C'est important de voir ça. Et faire combien de temps la vidéo de Poudlard? 1h30 je pense.
C'est beaucoup. Merci d'avoir été là, très nombreux, pour cette redécouverte de Hogwarts Legacy, pour recommencer une petite partie. On continuera Hogwarts Legacy. De toute façon, toutes les vidéos qui restent à arriver arrivent dans les prochains jours. Les vidéos pour vous aider à tout débloquer le 100%, tout sera fait, ça arrive bientôt, toutes les quêtes, la liste, etc. On continue les vidéos astuces tant que j'ai des choses à dire, et j'ai encore des choses à dire. Une vidéo astuce par jour à 18h15, demain 18h15, vidéo astuce sur les combats hors magie noire. Si vous n'avez pas envie d'utiliser la magie noire, je vous donne des méga astuces pour faire des combos de fou furieux et éclater tout le monde. 18h15, tous les jours, toute la semaine, jusqu'à que je n'ai plus rien à dire sur ce jeu. Et puis voilà, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci à tous les amis, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos dons également, vos cafés. Vidéo sur toutes les invocations, il y en a 140. Elles se récupèrent au fur et à mesure, donc ça sera fait dans les vidéos 100% en même temps. Voilà, voilà. Bah écoutez, profitez bien du jeu pour ceux qui y jouent, qui vont y jouer. Ceux qui attendent encore, bon courage, parce que j'imagine que c'est pas facile en ce moment de voir la terre entière parler d'Hogwarts Legacy sans pouvoir y jouer. Rassurez-vous, ça arrive, le temps va passer et vous pourrez vous aussi découvrir ce jeu incroyable. Il est où, Albert? Dis au revoir, il est où encore? C'est terrible, il fait que des conneries, Albert. Il fait que des conneries. T'es où, Albert? Albert, Albert, non, ça c'est ton père. Il est où, ton fils? Je l'ai perdu, je le perds tout le temps. C'est terrible. Albert, en plus il est tout petit, donc tu le perds dans... Albert! Albert, dis au revoir, hop. Au revoir. C'est bien Albert, t'es un bon nifleur. Je peux continuer une heure ce live, il faut s'arrêter. Il faut que je fasse le montage de Poudlard pour que ça sorte demain. On s'arrête maintenant. Merci et à très vite. N'oubliez pas les bières au beurre, mais surtout les petits cafés. Attendez, j'ai oublié de faire un jingle. Il me faut... on ne quitte pas un live sans un jingle. 20h-23h, tous les dimanches, avec Sneer. À dimanche prochain.